La technologie par ceux qui l'utilisent au travail comme à la maison. C'est Tech2 sur Radio Kawa. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode de Noël de Tech2, le podcast Radio Kawa qui regarde la technologie à travers ses usages, aussi bien au travail, dans la vie courante ou encore dans les loisirs. Je m'appelle Yann Rieder et comme à chaque épisode, je suis accompagné par mon camarade Franck extanasié Salut Franck Oh oh ho, oh, salut Yann Je pensais pas, je pensais pas que t'allais partir dans ce cliché-là, mais écoute, je suis très heureux que tu le fasses j'ai la voix cassée, c'est normal. C'est genre génial. le Père Noël. Je suis le Père Noël. <laughs> Ça ressemble un peu à celui de. D'Alain <laughs> Chabat. <Jibouette> et de. <laughs> ah aussi. Maël. À l'époque, il n'y a plus de peloche Mais peut-être qu'il leur pompait euh, à, à Alain Chabat. On leur fait la non, biaise. Non, le en film tout vient tout de sortir. On leur fait la biaise, en tout cas, à Maël et J-Boite. Euh, Aujourd'hui, au sommaire de cet épisode, un dossier consacré aux mises à jour de systèmes d'exploitation d'OS pour et contre passer Windows, macOS et consort à la version supérieure. On vous en parle dans le. Le dossier, mais également nos réponses à vos questions sur Twitter, à tech 2 ainsi par mail mon cher Franck tech 2 Exactement, nous y apporterons également nos corrections, c'est la mise à jour Mais tout d'abord, c'est l'heure de notre actualité Et notre actualité Franck, elle commence par, oh là là, quelque chose qui me dépasse un petit peu, c'est des specs de cartes graphiques ah oui bah oui c'est bienvenue <laughs> dans le pays du hardware. Euh, donc là la nou une nouvelle carte graphique va arriver chez Nvidia. Elle est arrivée en test récemment. C'est la nouvelle Titan. Alors qu'est-ce qu'une Titan, Yann euh, Les modèles Titan sont les gros modèles, les vaisseaux amiraux hors de prix euh, qui développent une puissance euh, souvent phénoménale euh, et qui diffèrent, qui sont évidemment réservés soit à des gens extrêmement fortunés, soit à des professionnels. Euh, et qui diffèrent des cartes qu'on appelle les quadros, qui sont elles aussi des cartes professionnelles, mais qui sont dirigées vers d'autres formes professionnelles. Euh, et là donc la Titan euh, depuis depuis plusieurs années, depuis euh, on va dire euh, déjà cinq ans presque. Euh, lead, la nouvelle génération de cartes graphiques qui arrive euh, chez Nvidia. Et donc là on a eu la présentation très récemment. Les premiers à l'avoir eu ce sont euh, ce sont les Américains évidemment, qui ont reçu donc la Titan V ou la Titan 5 qui est en technologie Volta, donc c'est la remplaçante de la technologie Pascal que l'on utilise actuellement sur les cartes graphiques 1060, 1070, 1080 et Titan XP, euh, qui est en 12 nanomètres en gravure, donc plus la gravure descend, plus on peut mettre de composants euh, sur, les, sur les chipsets, donc c'est vachement bien. Euh, c'est un monstre. Les premiers tests révèlent euh, que c'est un véritable monstre, il hein, n'y euh, a pas d'autres mots, euh, c'est très vieux. Euh, comme méthode, plus tu mets de, de, petits, de petits transistors sur une, sur une surface plane et ridiculement petite, plus tu as de patates. Mmh. Là, on est passé à quelque chose de très très violent dans les mesures. Euh, alors, sans rentrer trop dans les détails, mais le nombre euh, de cœurs GPU sur la Titan XP, donc modèle euh, Pascal, était de 3840 euh, GPU cores. Sur la Titan 5, on passe de 3840 à 5120 pour euh, prendre à peu près le comparatif avec une 1080 Ti, la 1080 Ti est à 3584, donc c'est quand même assez violent. Euh, au niveau du taux de dissipation, donc euh, le, taux, le TDP qui est calculé pour dire à peu près le taux de dissipation de chaleur, et calculer un petit peu aussi la, euh, comment dire, la consommation électrique aussi, on est par contre sur du 250 watts, ce qui est donc euh, extrêmement bien vu qu'on ne baisse pas, on ne baisse pas du tout, euh, par rapport aux anciennes mais on ne monte pas non plus parce que quand tu fais une machine de guerre comme ça normalement tu te dis ça va consommer énormément d'énergie on est sur le même taux de dissipation qu'une qu 1080 Ti et on est évidemment en dessous de la dernière RX Vega 64 de chez AMD donc dans, la, dans sa version liquide qui est à 345 watts et on est en dessous de la Super Vega Frontier Edition de chez AMD aussi qui elle est à 300 watts par contre là où on est largement au-dessus euh, en plus de certaines statistiques comme euh, la bande passante euh, pour la mémoire ou euh, le nombre de bits euh, de, de l'interface mémorielle qui passe de euh, 384 bits en, G, en, en GDDR5X euh, ou en G5X, là on passe évidemment à du 3072 en, en, en un nouveau système, évidemment le, le, le HBM2. Là, par contre, c'est le prix qui fait mal. Tu vois. on est très bien sur les chiffres. Il y a beaucoup de trucs. C'est une grosse carte graphique, tout est puissant. Le prix aussi, puisque actuellement une Titan XP, c'est dans les 1300 dollars, dans 1300 euros, grosso modo, hein 1400 euros. Là, on est sur un prix annoncé de 2999 dollars, donc 3000 dollars. Euh, donc le GV100 GPU qui remplace donc le, le Pascal euh, de la dernière génération, donc de, mmh. 2000, euh, de 2016 est euh, très puissant mais ça fait très très mal niveau portefeuille évidemment c'est réservé aux professionnels hein, on, va pas se, on va pas se mentir personne actuellement n'a besoin d'avoir une Titan 5 dans son, dans, dans son PC euh, c'est pas quelque chose qu'on a, euh, <laughs> qu a tous les jours de toute façon sous les, sous les yeux et le truc c'est que bah, ça prédit un petit peu de ce que va être l'avenir d'NVIDIA sur sa nouvelle gamme donc on va avoir encore une remontée en qualité hardware, mais on n'est toujours pas sûr que ce sera donc du Volta, ce qui a un nom de code qui a fuité il y a quelques semaines et qui tourne pas mal dans la presse tech, qui est le nom de code Ampère. Donc, est-ce que, euh, étant donné que la cette génération Volta, cette génération Volta, cette nouvelle mouture de, de chez Nvidia, euh, à des petits soucis, notamment au niveau du prix, au niveau de, de, certains, de certains réglages. Est-ce qu'Ampère ne serait pas tout simplement un fork de Volta pour être évidemment vendu au grand public est-ce que cette carte graphique n'a aucun marché à 3000 euros. Euh, mm. Elle n'a aucun marché sur Terre, si tu veux. Donc du coup, est-ce qu'ils vont faire un fork, diminuer un peu certaines capacités pour justement la rendre abordable au grand public, sachant qu'il y a quand même la nouvelle génération AMD qui va pas tarder aussi et qui va remettre un petit coup euh, dans la guerre entre les deux, les deux fabricants les deux fondeurs, on ne sait pas encore euh, je pense qu'on aura des réponses vers le CIS donc d'ici quelques semaines hein, puisque c'est début janvier euh, le CIS de Las Vegas et j'ai très très hâte parce que c'est bien d'avoir des nouvelles cartes graphiques parce que ça fait baisser les prix des anciennes ah. et je vous, tiendrai au, je vous tiendrai au courant des bons deals pour acheter une CG à pas trop cher. Absolument ce qui m'impressionne beaucoup avec ça c'est qu'on a beaucoup discuté euh, entre l'épisode précédent et celui-ci l'iMac Pro s'est lancé euh, mmh. sur le marché on a beaucoup discuté du prix de la l'iMac Pro qui il est vrai est exorbitant mais quand tu regardes ça c'est à peu près la moitié du prix d'un iMac Pro par exemple oui, bah, c'est souvent ce qui <laughs> ce coûte qui... le plus cher dans un PC dans une machine c'est la carte graphique souvent qui oui, coûte oui. le plus cher hein, donc mais ce même. que je veux dire par là c'est que ça relativise certaines choses finalement quand tu vois une carte graphique toute nue qui coûte plus cher que un grand nombre d'ordinateurs eux-mêmes euh, effectivement la politique des prix d'Apple enfin je veux pas la défendre ici hein, euh, la politique des prix d'Apple c'est que c'est cher point à oui, la ligne de toute façon euh, notamment un certain niveau abusif à partir d'un moment où tu fais augmenter soit la taille du SSD soit euh, le nombre de, de barrettes de RAM à l'intérieur ça c'est ça devient vite vite du racket ça, ah, façon, très clair. Là, non mais là, en ce moment on va le redire en fait hein, c'est Noël si vous achetez un PC ce que j'ai refait pas mal oui c'est pas le bon moment d'acheter de la RAM acheter acheter 8 gigas de RAM pas plus je pense hein, sauf si vous voulez vraiment vous équiper, prenez 16 gigas, mais ça va vous coûter cher. Parce que la RAM est passée de 250 balles à 250 balles. Qu'est-ce qu'il est qu Et là, ça pique. C'est -ce -ce plus instable en ce moment, la RAM ou le Bitcoin euh... Non, la RAM, c'est stable. Hein. C'est stable et ça monte. Le Bitcoin, c'est de la merde. Bon. Comme la blockchain. Voilà. Ah, on vous le expliquera blockchain. ça plus tard. On Je vais me laver les dents avec le blockchain ça va être ça. bien. Il est très utile, le blockchain. Le blockchain intelligent. Euh, tout le monde cherche à tout faire avec le blockchain, c'est devenu le web 2.0 de, de, de 2017. C'est le problème quand tu laisses des gens d'HEC s'occuper de la tech, c'est toujours le bordel. C'est le buzzword du moment, le blockchain, qui, donc on rappelle, hein, est l'outil qui permet de vérifier en gros les transactions au niveau de, de, du, du bitcoin. C'est ça, et de toute monnaie, de toute monnaie crypto, ce qu'on appelle les cryptocurrencies, donc les monnaies chiffrées. Exactement. Mais toi Yann, toi aussi, tu as des buzzwords oui. Ah voilà, alors j'ai du buzzword, euh, c'est-à-dire que je suis passé à de nouvelles applications qui s'appellent Things et Bear. Alors là, Things, c'est très est très buzzwordesque finalement pour une application de to do. Euh, pour le coup, donc, euh, j'ai changé d'application à la fois de prise de notes, euh, de rédaction de, de différents papiers et euh, d'organisation de, de tâches, ce qui était quand même des points importants par rapport à de précédents épisodes de Tech2. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça alors, pourquoi il faut voir en fait ce que proposent ces différentes applications. Commençons par Bear. Bear c'est un outil de prise de notes et en même temps un outil d'écriture qui est gratuit, euh, il est disponible sur Mac et iOS euh, et en fait le paiement se fait par abonnement et vous permet d'accéder à la synchronisation entre vos différentes copies de Baird donc sur différents supports et également vous permet et eh bien d'utiliser différents thèmes un thème de nuit par exemple, un thème plutôt orienté rouge, plutôt doré, plutôt vert, euh, la possibilité même d'en customiser, c'est très très chouette euh, de ce côté-là, ça coûte pas d'ailleurs euh, très très cher. Euh, c'est très raisonnable, c'est en dessous de, c'est en dessous de 15 euros par an. Euh, c'est léger, c'est extrêmement léger, euh, bare. les fichiers, vous n'avez pas à les gérer par exemple dans une Dropbox, vous les gérez directement dans le cloud que vous utilisez de cette manière-là, c'est directement bundlé dans l'application et le gros avantage, c'est que vous les classez par tag, c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez par exemple hashtag radiokawa slash techto et ma note ou mon article que je suis en train d'écrire se retrouvera dans le dossier techto qui lui-même se trouve dans le dossier radiokawa et vous pouvez faire autant de sous-dossier que vous voulez avec ça et vous pouvez changer le nom des dossiers très facilement euh, puisqu'il suffit juste de changer le nom euh, par exemple d'un tag dans la liste qui est disponible sur le, le, le la sidebar euh, de Bear, et tout est automatiquement retagué avec le nouveau nom euh, de la catégorie ou du sous-dossier ce qui est quand même très pratique. Il y a également une, une intégration très simple de photos et d'images, parce que plein d'outils de notes euh, loupent complètement. Euh, vous pouvez donc glisser, déposer euh, des fichiers images à l'intérieur, et très simplement, ils se trouvent intégrés euh, à la note bear aussi facilement que cela. Il vous est également possible de griffonner, et c'est très pratique quand vous utilisez un appareil euh, iOS, puisque vous pouvez utiliser votre doigt et dessiner des choses euh, sur une petite surface blanche, puis celle-ci vient s'ajouter au reste de la note dans laquelle vous avez euh, lancé le griffonnement. L'écriture en elle-même, elle se fait en markdown, comme EA Writer, vous avez présenté une autre fois, c'est-à-dire que tout ce qui est faire en gras, en italique, etc. ça se passe avec des balises très très simples. Par exemple, pour mettre du texte en italique, il vous suffit de faire un underscore entre les deux mots. Pour faire du gras, c'est autre chose. Pour faire une liste, il suffit de faire une liste de tirets et ensuite de venir à la ligne à la fois, à chaque fois qu'on a terminé son, son, son premier point, etc. Enfin, c'est très très simple euh, à, à, à travailler sous bear La version iOS est aussi puissante que la version Mac. L'interface utilisateur mobile est pensée avec un menu horizontal qu'on glisse pour avoir plus d'options. Le gras, l'italique, la liste à puces l'intégration d'images, de griffonner, comme je vous l'ai expliqué euh, tout à l'heure. Et dans mon cas de figure, qui est quand même d'aller en reportage, d'aller quelque part, de prendre des notes et ensuite de transformer ces notes en articles, c'est très pratique. Parce que, premièrement, bah, tout vit dans un même programme. J'ai plus à passer de Google Keep à euh, IA Writer pour euh, d'abord prendre la, les notes et ensuite euh, écrire l'article. J'ai pas euh, non plus à jongler euh, 10 000 fois. Avec un fichier, là le super avantage, c'est que par exemple, euh, j'étais en train et c'était, j'étais en reportage plutôt cette semaine. J'avais mon laptop sur les genoux. Puis soudainement, euh, la personne qui faisait, euh, qui, qui menait la conférence euh, que j'étais en train de, de suivre et que j'étais en train de couvrir, se dit allez-y, levez-vous tous. On va voir quelque chose sur le mur. Donc moi, forcément, j'ai obligé de replier mon, <laughs> mon Mac euh, dans, dans mon sac. J'ai sorti mon téléphone. Sur mon téléphone, la dernière version de la Note Bear était déjà disponible puisqu'elle se synchronise très très vite. Ça ne passe pas par un cloud Drive. Donc ça va plus vite, ça c'est très clair, c'est plus rapide que Cloud Drive et dans mon, de mon expérience c'est plus rapide également que, que Dropbox. Euh, j'ai dégainé mon téléphone et j'ai continué de prendre en note en étant debout, euh, ce qui encore une fois est très très pratique quand vous devez... Euh, Très vite changer de, de situation, tout simplement. Euh, c'est pas un problème quand on est par exemple en classe ou quand on est en réunion euh, et qu'on a accès à une belle table, mais quand on est dans une situation un petit peu plus précaire, c'est très pratique de pouvoir échanger rapidement. Et puis le deuxième euh, outil qui a rejoint ma boza, c'est Things. Auparavant, j'avais To Do comme gestionnaire de, de, de To Do List. Mais le gros problème de Toudou, et je m'en suis rendu compte ces derniers temps, euh, puisque, et ça c'est quelque chose sur lequel euh, j'ai déjà, déjà revenu plein de fois hein, dans le bureau des patrons, quel podcast qu'on fait euh, côté patronne pour expliquer un peu comment Radio Kawa vit à l'intérieur, je suis quelqu'un de très occupé en ce moment. Entre Radio Kawa, le festival, les piges, euh, l'université, euh, j'ai vraiment énormément à faire. Et du coup, euh, ce qui s'est euh, passé, euh, c'est que Toudou est devenu un enfer pour moi. Avec l'ensemble des listes de tâches qui me disaient, regarde, tu as tant de tâches pour aujourd'hui. De tâches en général, c'était devenu véritablement euh, la prison en fait euh, de voir l'ensemble de mes tâches euh, listées comme ça. Qui est un problème finalement que toi, Franck, tu as vécu avec les, les tâches en général, c'est pour ça que tu n'as pas de gestionnaire de tâches. Ah, mais moi, on en a parlé dans le bureau des patrons, on en a ouais. parlé dans l'émission qu'on a fait avec Mago sur l'organisation, le yes. texte numéro 5, je crois. Numéro 3, Numéro fait, 3, hein. pardon. Euh, vous m'angoissez, moi, et vos trucs de tout doux, je peux pas. Euh, et... Je sais ce que j'ai à faire, je le fais, mais je ne supporte pas d'avoir euh, une espèce de de, une espèce de Maton au-dessus de moi, il fait, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Plus Et ça me le dit, moins j'ai envie de le faire. Et la grande qualité de Things, justement, c'est qu'il est beaucoup moins maton. Alors tu organises toujours tes tâches dans des projets et des projets dans des catégories plus générales. Euh, par exemple, l'université contient une tâche qui s'appelle mon mémoire et mon mémoire contient. Euh, une tâche, pardon, une catégorie euh, qui est, qu est mon mémoire et ensuite mon mémoire contient des, des, des tâches relatives à cela. Certaines tâches uniques, d'autres tâches récurrentes. Euh, et l'organisation en général se passe en fait à travers un onglet principal qui s'appelle l'onglet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu as tout ce que tu as prévu toi-même pour aujourd'hui. Tu peux d'ailleurs décider de déléguer quelque chose qui est prévu pour aujourd'hui à ce soir et ça le met dans une petite sous-interface en bas en te disant ok c'est pour ce soir, c'est quand tu rentres. Entre, euh, t'inquiète pas, euh, t'en occupe pas maintenant. Ce qui déjà retire une partie de la pression de voir une énorme liste de 10, 20 trucs euh, oui, pour la même journée. Ça, ça s'enchaîne pas quoi. Autre point super important, dans l'interface elle-même, Things intègre le calendrier. Et ça c'est important pour une raison simple c'est que vous pouvez avoir des journées à 10 tâches avec rien dans le calendrier et des journées à 10 tâches avec 3 rendez-vous dans le calendrier et ça change complètement votre journée. Parce que dans la journée où il n'y a aucun rendez-vous, vous allez pouvoir faire vos tâches dans la journée où vous avez les 3 rendez-vous qui couvrent toute la journée, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc ça vous permet de prendre des décisions beaucoup plus facilement sans avoir à comparer 15 000 applications, 15 000 sources, en fait, de, 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 de responsabilités. Et le dernier point, c'est que si une tâche n'est pas faite le jour même, la tâche ne devient pas rouge, Things vous engueule pas, Things leur pousse simplement au jour suivant. Et vous dites, t'as pas pu le faire hier, pas très bien, fais-le aujourd'hui, c'est pas grave. Euh, et vous pousse, en fait, finalement, à sélectionner différents trucs, elle les remettra plus tard, Things... Je ne vais pas dire que c'est un gestionnaire de tâches qui pousse euh, à, à, à toujours remettre à demain, parce que ce n'est pas ça, mais vous culpabilise beaucoup moins et est d'autant plus pratique quand vous avez énormément à faire. Euh, puisque vous avez vraiment aujourd'hui, à venir, qui correspond à tous les autres jours. Vous cliquez dans à venir et en fait vous allez avoir euh, bah aujourd'hui, enfin vous allez avoir demain, après-demain, etc. Avec là encore les, les différents éléments de calendrier relatifs, à tout moment, qui correspond à des choses qui n'ont pas été datées ainsi qu'aux aux tâches qui sont faites aujourd'hui, comme ça ça vous permet de vous dire, bah tiens, euh, j'ai fini tout ce que je dois faire pour aujourd'hui, est-ce que j'ai le temps de faire des choses qui ont, qui ont moins d'urgence euh, Il y a également une catégorie qui s'appelle Un jour, dans laquelle vous mettez des trucs qui ne sont liés à rien, qui n'apparaissent même pas dans un tout moment, mais qui sont juste, si un jour j'en ai envie, si un jour j'ai envie de me lancer dans tel ou tel projet, je pourrais éventuellement faire ça. Euh, et ça, encore une fois, ça vous permet véritablement de, de prendre avec beaucoup plus de recul euh, vos responsabilités du jour. C'est à mon avis très important de pouvoir faire ça. Euh, et puis, autre chose, dans les différentes catégories, comme je vous le dis, donc, dans, dans la catégorie générale, par exemple, dans la catégorie de, de mes piges, j'ai une sous-catégorie qui s'appelle conseil municipal, parce que je couvre le conseil municipal, et je peux mettre des sous-titres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas considéré comme des tâches, mais juste comme des rayonnages dans lesquels je peux mettre différents euh, éléments. Par exemple, si j'ai euh, un projet qui s'appelle Écrire tel compte rendu du conseil municipal, je peux faire. Bah tout d'abord, il faut que je nettoie mes notes. Ensuite, il faut que j'écrive le corps du papier. Ensuite, il faut que je fasse la relecture. Et ensuite, il faut que je fasse la publication. Et à l'intérieur de ces différents trucs, évidemment, il y a. Bah dans faire la publication, par exemple, il y a euh, passer du Markdown en texte riche, puis mettre ça dans le système euh, qui me permet de publier sur le journal, etc., etc. Donc, il y a une véritable possibilité. Avec Things, on va dire, de faire de l'organisation euh, sans pour autant avoir 15 000 trucs et d'avoir ces sous-titres pour pouvoir, comment dire, vous aider à sortir de votre tête le poids de quelle est la prochaine tâche que je dois faire ensuite et dans quelle, à quoi est-ce que ça sert par rapport à mon projet. Ça vous permet vraiment de contextualiser et ça, je trouve ça extrêmement pratique. Alors, un petit avertissement quand même. Things, je l'adore, le design est extrêmement bien. Je veux dire, Apple qui, qui, qui pousse, qui est très snob hein, sur le design, a d'ailleurs donné aux développeurs de Things une récompense cette année pour leur dire "Dans les mecs, vous avez vraiment fait du bon travail avec Things, aussi bien sur Mac que sur iOS." Précision, c'est une des rares applications. Il n'y a pas d'abonnement, contrairement à Bear. Euh, par contre, l'application est payante et l'application est tellement payante que vous allez devoir payer une fois pour iPhone, une fois pour iPad également, les deux sont séparés, il n'y a pas d'application universelle à iOS, il y a vraiment euh, un paiement séparé et puis une fois pour Mac également, euh, sachant évidemment que la version Mac est plus chère que la version iPad qui elle-même est plus chère que la version iPhone. Euh, la version iPhone est un petit peu la, 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 le moyen de vous faire entrer dans l'écosystème le, dans le, dans euh, Things et ensuite, euh, ensuite ça vous donne envie bah, de, de prendre par exemple la, la version Mac derrière parce que c'est bien pratique de l'avoir également sur son ordinateur de bureau. Je vous les recommande chaudement, je vous ai fait une longue présentation mais véritablement parce que je pense que si vous êtes dans mon cas de figure, si vous avez besoin d'un outil qui mêle à la fois prise de notes et en même temps rédaction plus longue et en même temps si vous avez besoin d'un outil comme Things qui vous permet de gérer vos tâches sans avoir ce côté flicage de l'outil sur vous euh, et si vous avez la boule au ventre quand vous ouvrez votre manager de tâches euh, véritablement testez Things il y a même un, un test gratuit de 30 jours ou de 15 jours euh, sur la version Mac testez-le, euh, ça vaut véritablement le coup de se pencher dessus et de, 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 de faire l'expérience à mon avis voilà, ça c'était pour mes deux grosses recommandations et en même temps euh, les deux programmes qui sont rentrés dans mon univers pour toi, Franck, dans l'univers des gens, c'est les fêtes, les fêtes. C'est peut-être se faire euh, offrir un petit peu d'argent ici et là. Et du coup, c'est faire des achats en ligne. Et tu veux absolument avertir nos auditeurs. Oui, il faut que je prévienne de deux, trois trucs. Parce que, bon, on est technophiles, on a tous un peu nos sites à l'étranger pour acheter des trucs. Mmh. Euh, dans mon cas, c'est par exemple le site, un site chinois extrêmement connu qui s'appelle Alibaba et qu'on connaît mieux en Occident sous le nom d'AliExpress. Hmm. Euh, donc, si vous suivez l'émission depuis quelques semaines, vous savez que j'ai acheté des kick-ups qui ne sont toujours pas arrivés. Euh, et Certaines déconvenues peuvent aussi vous arriver. Enfin, moi, c'est qu'il faut que je sois patient et ça m'énerve un petit peu vu que j'arrive à la fin de la protection d'acheteur que je vais devoir prolonger. Ouais. Donc, il y a quand même quelques petits conseils et quelques petites choses à comprendre quand on commande quelque chose euh, en Chine, que ce soit du côté de Chengdu, du côté de Guangdong, où sont les grandes entreprises, les grands fabricants, c'est dans ces régions-là. Euh, il faut comprendre un peu comment ça marche. Alors, premier truc, il euh, y a un lien que, que vous aurez dans le, la page de l'émission, la page uh -huh. podcast sur le site de Radio Kawa. Mm -hmm. C'est un article de notre ami Pierre Lecourt chez Mini Machine, euh, un article du 15 décembre, qui explique les délais, les frais les fonctionnements de livraison depuis l'Asie. Euh, parce que, évidemment, quand vous achetez une pompe à pétrole ou une pompe à vélo à 3 euros en Chine, expédition comprise, et qu'elle arrive en 3 semaines, c'est surprenant, surtout quand on connaît le prix des, du, du port euh, d'un objet de, à l'étranger avec les taxes et le reste. Alors comment ça marche Évidemment, ils vont passer par le rail. Euh, le rail, c'est un, un immense rail qui va partir de Madrid en Espagne, qui va traverser la France euh, au niveau du sud de la France euh, vers Montpellier de sa remontée. Passer à la frontière allemande du côté de Strasbourg, puis traverser la Pologne, traverser la Biélorussie, enfin le Bélarus, pardon, passer par Moscou, aller au Kazakhstan et finir en Chine. Et tout ça, ça fait 12 000 km de rail. Donc évidemment, quand vous prenez un truc à 1 euro et que vous mettez 6 semaines pour l'avoir, c'est normal parce qu'il met du temps pour faire les plus de 10 000 km qui vous séparent euh, de votre objet. Mais parfois, ça passe par avion. Et là, par avion, ça devient un gros problème. Euh, parce que tous les vendeurs, par exemple d'AliExpress, beaucoup proposent le standard shipping AliExpress. C'est-à-dire, c'est la livraison standard avec la garantie AliExpress. Alors AliExpress, ça fonctionne comme Amazon, sauf que eux ne sont jamais vendeurs. Ils n'ont pas de stock. C'est plein de vendeurs qui sont regroupés sous la, sous la bannière donc AliExpress slash Alibaba. Euh, et donc, du coup, bah, ils vous fournissent une garantie, mais il faut vous démerder avec le vendeur. Et là, il y a pas mal de pièges à éviter. Le premier, déjà, quand vous sélectionnez un vendeur, que ce soit pour de l'informatique, euh, des téléphones, euh, des accessoires euh, pour iPad, euh, des cartes graphiques, parce que certains peuvent acheter des cartes graphiques, sont fabriquées là-bas. De toute façon, il n'y a pas grand-chose, mis à part certains modèles que vous ne trouverez pas euh, en Europe, je veux dire. Euh, moi, j'ai acheté des keycaps, on peut acheter des claviers, il y a plein de trucs, vraiment plein de trucs. Mais il faut faire attention aux vendeurs que vous sélectionnez. Il y a un petit truc très simple qui est un indicateur visuel qui est un petit diamant bleu euh, ou alors une petite coupe en cristal bleu. Si un vendeur a plein de cristaux, donc plein de diamants, c'est qu'il a été recommandé euh, beaucoup de fois. Donc, c'est un vendeur, on va dire, reconnu. S'il a une coupe, c'est qu'il a été encore plus que recommandé. Donc, vous regardez toujours le pourcentage, vous regardez les commentaires, le nombre d'étoiles et machin. Mmh. Très important. Ne vous fiez pas aux 5 étoiles. Vous regardez combien il a de 5 étoiles, c'est très bien. Regardez combien il a d'étoiles négatives. Parce que très souvent, les gens se font avoir en mettant leurs commentaires à 5 étoiles parce qu'un vendeur peut leur avoir promis ceci ou cela. Mmh. Et à ce moment-là, ben, le commentaire il est validé, il n'est pas modifiable et vous ne pouvez pas euh, avoir les vrais trucs. Regardez d'abord les commentaires négatifs. Il y a une grosse bon. pression de la part des gens de mettre 5 étoiles à quelque chose, par exemple au podcast sur iTunes Bien sûr, bien sûr, par exemple. <laughs> non, mais il y a une différence Il y a une différence entre mettre 5 étoiles à un podcast quand on l'apprécie, parce que oui, mm -hmm. ça le fait remonter dans les flux iTunes et ça aide beaucoup les producteurs. Nous, ça nous aide beaucoup en tout cas, c'est clair. 2 Faites-le avec Tech2, Faites tech tout à fait. Tu pas besoin de chuchoter, tu peux le dire. Non, je le dis ah, juste. Comme sur ça, un bien. vendeur, c'est plus gênant. Parce que euh, Pourquoi c'est plus gênant C'est beaucoup plus gênant parce qu'il y a un échange d'argent. Mmh. Il y a une vente de services et là ça peut très très vite partir en couille, vraiment. Mmh. Mmh. Euh, donc regardez les commentaires négatifs et voyez pourquoi ils sont négatifs. Très souvent ils seront en anglais parce que les gens qui commandent là-bas, de l'étranger, ils vont plutôt mettre les commentaires en anglais puisque c'est la lingua franca euh, du, du monde actuellement, hein, on n'a pas trop le choix. Euh, donc ça vous permet de voir pas mal de choses. Après, si vous avez commandé là-bas et que vous avez un souci... Faut pas que vous vous inquiétiez de suite. Vous avez des protections. C'est pas parce que vous avez acheté un truc en Chine que vous allez vous retrouver avec le pantalon sur les chevilles et très très mal partout aux fesses que vous êtes fait flesser. Non, vous avez des protections. Vous avez acheté un truc sur un vendeur qui a la, la garantie AliExpress. Donc vous avez déjà, selon les vendeurs, entre 6 semaines et 60 jours. Entre 6 et 8 semaines à peu près euh, pour pouvoir recevoir votre commande. Vous avez un bouton. Euh, de déclaration de litige. Donc, premier truc que vous faites quand vous ne savez pas, euh, comme moi par exemple, j'avais un problème de tracking de mon colis, et on vous donne un tracker, un tracking de colis. Le numéro va être bizarre, vous n'allez pas le reconnaître de suite ou le tracking va être chelou. Si ça commence par un LB, généralement, ça va être pris en compte par la poste française. Vous pouvez aller sur Colissimo International recommandé. Ils mmh. vont vous le trouver. S'ils ne vous le trouvent pas de suite, vous attendez, vous utilisez le système de tracking. Vous attendez vraiment... Ça peut prendre du temps. Là, par exemple, moi, j'en suis à presque 6 semaines sans mon colis. C'est compliqué. Euh, le vendeur va pas forcément être d'une super aide. Euh, ce que je vais vous dire là, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu le stéréotype, si vous voulez, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi. Euh, vous allez poser une question. On va vous répondre avec de la manière la plus aimable du monde en vous envoyant des smileys avec des bisous, ce genre de trucs. Ne vous laissez pas avoir. Vous êtes dans votre droit. Si le mec répond pas à la, à la, à la question que vous posez, reposez-la tant qu'il répond pas vous énervez pas parce que ça ne sert à rien dès que vous voyez que vous arrivez au bout de votre euh, période de vente donc vous savez moi par exemple j'ai 60 jours il me reste à peu près 18 jours je sais que quand je vais arriver à 10 jours je vais si j'ai rien reçu alors qu'il me reste 10 jours de livraison je vais lui demander de m'étendre ma garantie de livraison d'un mois de plus au cas où s'il me dit euh, non pas besoin vous allez le recevoir j'ouvre une dispute vous avez un bouton juste à côté de votre commande qui s'appelle open dispute à ce moment-là, vous ouvrez, donc c'est un litige tout simplement, vous ouvrez un litige avec votre vendeur et vous demandez le, le, le règlement du litige au plus vite, soit parce que vous allez recevoir votre colis, soit parce que le vendeur ne peut pas vous informer, vous n'avez plus de tracking de votre colis, vous savez pas où il est, vous demandez le remboursement. S'il y a un souci avec votre vendeur, ça peut arriver, ne vous inquiétez pas, vous, vous ouvrez... Donc le litige qui est déjà ouvert, vous pouvez l'escalader. Ce qu'ils appellent escalate dispute, c'est-à-dire vous passez la main à la gestion d'AliExpress, qui, eux, vont devoir trancher, vous expliquer la situation. Profitez-en pour faire des screenshots de, des messages que vous avez euh, échangés avec votre vendeur, par exemple. Mmh. Euh, Donnez le numéro de tracking et montrez que non, vous n'avez rien reçu, que le tracking, il n'a pas bougé depuis des semaines, machin. Eux vont s'en occuper. Et surtout, dès que vous avez ouvert la dispute, vous demandez à ce que votre euh, temps de livraison, la, donc la garantie AliExpress, soit étendue. C'est très, très important. <laughs> non, parce que sinon vous recevez le truc. Et si vous n'avez pas ouvert de dispute, il y a certains vendeurs malhonnêtes. Parce que oui, il y en a vu que il bah, y a AliExpress, c'est l'un des plus gros sites marchands du monde. Évidemment qu'il y a des gens malhonnêtes, si vous. Donc il faut quand même se prévenir et garder ses... protéger ses droits avant tout. Il y a un truc aussi à savoir euh, quand vous recevez votre colis, euh, ne marquez pas de suite euh, notifié comme reçu. Vous attendez une journée. Vous déballez votre colis, vous regardez le truc, si tout va bien, s'il n'y a rien de cassé. Vous prenez le temps d'évaluer votre colis, d'évaluer le produit que vous avez acheté. Parce, parce que ensuite, dès que vous avez marqué comme reçu, vous n'avez plus de recours derrière. C'est ça, c'est ça le problème aussi. faut faire attention. C'est pas comme Amazon où vous avez un mois. Parce que les produits, vous ne pourrez jamais les renvoyer, comme je vous ai hmm. expliqué tout à l'heure. Ça, vous payez pas de frais de port la plupart du temps. Vous payez pas de douane non plus la plupart du temps. Faut bien le dire. Euh, parce que ça passe par des pays qui, sont, qui dédouanent déjà euh, pour vous en entrée en Chine. Mmh. Si ça passe par le train, vous passez par exemple par DHL global. Vous passez pas par DHL avec euh, AliExpress par contre. Toujours standard shipping. Si vous payez des, 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 des livraisons express, genre DHL, UPS, FedEx, euh, DPD ou d'autres, ça peut vous coûter très cher. Parce que ça vient de très loin. Non, pas du tout, parce que oh. euh, en fonction des aéroports euh, et en fonction de la nature du produit, vous allez devoir payer la taxe de douane en plus. <laughs> okay, donc, okay, il peut atteindre, vois. vous allez payer donc euh, jusqu'à 20% de TVA sur votre mmh. produit. Donc déjà, ça, ça pique un peu les fesses. Mmh. Mais en plus, et ça, c'est très drôle, euh, certains transporteurs, je dis pas tous, hein, j'ai eu l'expérience pas mal avec DHL, vous font payer une facture de dédouanement. La facture de dédouanement, accrochez-vous, c'est de l'arnaque, puisque cette facture de dédouanement qui peut aller entre 20 jusqu'à 50 voire 60 euros n'est pas du tout des frais. Ce de, pas du tout des frais de dédouanement, puisque c'est dédouané. Euh, si c'est dédouané, vous payez votre TVA, vous payez votre truc. C'est pas une amende la plupart mmh. du temps. Ce sont juste des frais que le transporteur vous facture parce que lui, il a fait un énorme prix euh, au marchand. Il lui a dit, écoute mec, vas-y, mets-moi tout ce que tu veux dans l'avion, charge mon avion. Moi, je mmh. te le fais pour rien, c est, c est, ça me sert, je suis content, tu me rends service. Et quand il arrive au euh, à l'acheteur, il lui fait, alors bonjour, voici 25 euros de frais de dédouanement. Il euh, n'y a, y a pas de frais de dédouanement. Si, si, ce sont des, nos frais de service. Et en fait, ils vous font payer entre 25 et 60 euros pour avoir tiré une facture sur papier. Hum. Mmh. Mais ce sont des frais de dossier, si tu veux. Donc, si vous passez par Standard Shipping AliExpress, vous êtes à peu près protégé. Mais il faut quand même rester prudent, regardez bien la qualité de vos vendeurs, la qualité de vos produits évidemment, mais si vous allez sur AliExpress en général, vous savez à peu près ce que vous voulez, ce que vous recherchez, que ce soit du matos, et cigarette qui sort directement des usines à Guangdong, ou, ou du matériel de clavier mécanique comme moi, ou même du téléphone, hein, parce que les Xiaomi, ils ne viennent, viennent pas de Mars ou Jupiter, hein, ils viennent de Chine. Donc tu peux les acheter directement là-bas aussi. Faites attention, euh, je vais vous linker en plus un petit topic qui est très très utile, qui a été mis à jour euh, depuis, qui avait été fait par, le, par la communauté du site qui s'appelle Deal Labs, qui est un spécialiste du deal dont je vous parle de temps en temps. Euh, et je vous arti évidemment, je vous link l'article de Pierre Lecourt sur Mini Machine, euh, qui mmh. sont tous deux très importants pour vous aider à comprendre comment fonctionne le transport depuis euh, l'Asie en général et mmh. comment... S'en sortir quand il y a un litige avec un vendeur AliExpress pour que vous soyez le plus protégé possible. Très bien, merci beaucoup Franck. Pour ma part, je terminerai la rubrique news avec une rumeur qui est le fruit d'une investigation de Mark Gurman de Bloomberg, enseignement de 9to5Mac. Il a levé de nombreux lièvres, hein, Mark Gurman, mais il s'est également planté quelques fois. Donc, ce qu'il dit est à prendre au confidentiel. Mais enfin, selon lui, selon son dernier article, Apple préparerait un standard d'application universelle qui fonctionnerait aussi bien sur iOS que sur macOS afin de donner de la vigueur à l'App Store macOS et à l'écosystème d'applications sur le système Mac en général. Écosystème qui était obscurci par la ruée vers l'or qui a constitué l'iPhone à partir de 2008. D'un point de vue d'usage, ce qui serait intéressant, euh, ce serait ça finalement, pour peu que ce soit bien implémenté. Le challenge réside en la création d'interfaces alternatives d'applications iOS qui n'auraient désormais plus d'écran tactile, de caméras vers l'extérieur, etc. Donc, euh, comment faire sans ces différentes choses Alors même que plein d'applications, pense notamment à Snapchat, sont tournées à 100% derrière le fait par exemple d'avoir une, une caméra qui regarde l'extérieur de l'appareil. Pour les éditeurs et les développeurs indépendants, ça pose plusieurs questions. Est-ce qu'il faudra monter les prix? Est-ce qu'il faudra ralentir le rythme de développement pour proposer une version sur tous les supports? C'est donc. L'évolution logique quand on voit l'état dans lequel est le Mac App Store et le développement sur macOS, mais beaucoup de points importants restent à régler par Apple en premier, bien évidemment. Euh, et ça reste évidemment quelque chose qui n'est pas confirmé par Apple aujourd'hui. C'est quelque chose qui se passe dans les coulisses d'après euh, les recherches, l'investigation de Mark Gurman. Donc aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait être annulé si jamais, par exemple, Apple se rend compte que c'est pas la bonne stratégie à prendre, qu'ils n'ont pas la technologie nécessaire pour faire ça, etc. etc. Mais enfin, c'est quelque chose qui flotte désormais dans l'univers Apple, qu'il pourrait potentiellement aller dans cette direction. A voir donc notamment lors de la prochaine WWDC, la conférence des développeurs, qui aura lieu comme chaque année en juin. Voilà, on en reparlera le moment venu. C'est la fin de l'actualité, dans un instant, on se fera un petit dossier consacré aux mises à jour. Allons-y. Le 21e siècle. C'est parce que Mark et William avaient eu l'idée de développer des jeux ensemble que les dieux imaginèrent cette terrible vengeance. La première ligne de code doit être punie. Vous serez condamné à animer un podcast sur le développement de jeux vidéo. Avec chaque mois un nouvel invité. Telle est notre volonté. La Def Team, c'est une fois par mois. Et c'est sur Radio Kawa. Vivant, vous êtes vivant. Nous sommes de retour dans Tech2, le dossier consacré aux mises à jour. Faut-il mettre à jour sa machine Qu'elle tourne sur iOS, Android, Windows, macOS La question se pose, et la question se pose d'autant plus dans cet épisode spécial Noël de euh, Tech2 puisque il est très probable qu'autour des fêtes vous ayez euh, à faire, euh, comment dire, à aider votre famille au niveau de la tech. Et on va probablement vous demander est-ce que je dois mettre à jour mon téléphone, est-ce que je dois mettre à jour mon ordinateur, et vous ne saurez pas forcément de quel côté vous mettre, parce qu'il y a des avantages à l'un et à l'autre à mettre à jour, et en même temps à laisser sur la version actuelle. Franck, est-ce que tu peux me parler de ta philosophie générale par rapport à tout cela Alors, je vais parler de deux choses. Déjà, premièrement, je vais te reprendre, parce qu'il n'y a pas d'avantage à ne pas mettre à jour son ordinateur. Si vous êtes sous Windows, il n'y a pas d'avantage à ne pas mettre à jour son ordinateur, bien au contraire. Sauf si c'est un trop vieil ordinateur, à ce moment-là, ah. vous restez... Vous, non, mais je parle de mettre à jour l'OS en cours. Si vous êtes sous Windows 10, ah parce oui. que votre machine est sous Windows 10, vous faites vos foutues mises à jour de Windows 10. Si vous mm -hmm. êtes resté sur Windows 8, vous faites vos mises à jour de Windows 8. Si on parle pas des Windows... mêmes choses, du coup. On parle voilà. de mise à jour à l'intérieur de la même version. On parle de d'ajout de, correctif. Là, je parlais beaucoup plus euh, de la mise à jour vers une nouvelle version du système. Euh, ah, ça, dit, une nouvelle grande version du système. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore ah. autre chose. Quand c'est possible mieux vaut le faire. Euh, là, pour le coup, on est en pleine période euh, de Fall Creators Update chez Microsoft, donc la nouvelle grande mise à jour annuelle de Microsoft, puisque Microsoft a voulu faire du Apple. Et comme on a pu le voir, Apple avec ses mises à jour annuelles, c'est un peu planté, mais Microsoft aussi, euh, puisqu'on a des expériences assez, euh, assez rigolotes. Euh, je pense à nos auditeurs, le pauvre euh, Daddy Creek qui, qui avec qui j'ai passé beaucoup de temps et qui a beaucoup souffert, parce qu'il a un ordi en carafe à cause de la dernière mise à jour de Windows 10, puisque son ordi ne fonctionne plus du tout. Donc on a fait, on a fait du, du SAV euh, un peu tous les deux et ça a été compliqué. Et c'est toujours compliqué à l'heure actuelle et ça fait quand même presque 15 jours qu'un de ses PC est complètement mort chez lui. Euh, donc de base, quelle est ma philosophie générale euh, Soyez préparés. Toujours, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe. Vraiment pas. Faites vos backups. On a un épisode sur les backups. Faites votre backup. Reprenez vos clés USB, tout ce que vous voulez. Téléchargez tous vos drivers d'avance. Drivers carte graphique, carte mère, euh, carte son, parce que ça peut arriver. Euh, vos drivers, si vous en avez d'autres pour vos autres ou périphériques et outils, ça peut toujours être pratique. Téléchargez-les avant, stockez-les sur une clé USB et enlevez la clé USB du PC. Très important aussi, parce que vous pouvez avoir des bugs. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois, si vous avez une clé USB branchée sur votre machine, que ce soit sur le port avant ou le port arrière, il se peut que pendant la mise à jour Windows, pour une raison X, Y ou Z, ça merde. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de la loi de Murphy, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une petite erreur de reconnaissance de périphérique USB. Donc débranchez ce qui n'est pas périphérique esclave comme un clavier ou une souris, tout le reste est débranché. Comme ça, vous faites votre mise à jour, vous êtes sûr que votre machine n'est pas emmerdée par ce qu'il y a autour. Donc, comme je le disais, Windows essaye à la grande mage annuelle. Je suis pas réellement convaincu. Déjà d'expérience, je suis méfiant. Euh, mais ensuite, mes trois dernières grandes mages Windows, donc la Fall Creators Update de, que j'ai eu en novembre, la Creators Update de Windows 10 de mars 2016 et mon passage à Windows 10 en novembre ou décembre 2015, ne se sont pas bien passés du tout. Euh, la Creators de mars 2016 est intervenue euh, avec un petit problème euh, chez Nvidia qui fait que j'ai passé 5 jours sans PC vu que j'ai eu le combo des deux et que j'ai dû formater 5 fois. Euh, mon passage à Windows 10 a été un calvaire parce qu'il euh, y avait des gros gros problèmes entre passage de certains Windows 8 Pro vers Windows 10 Pro et ça ne se faisait pas bien du tout sur certaines machines. Sur la Fold Creators Update, euh, j'ai eu encore des problèmes un peu moins graves ce coup-ci parce que j'étais bien préparé, n'est-ce pas? Euh, parce que j'ai eu une réparation de Windows, mais il a fallu réinstaller tous les drivers, euh, notamment ceux de carte graphique, ceux de carte son, euh, ceux de carte mère, euh, ceux de la carte son audio, parce que j'ai une carte son micro et une carte son audio. Les deux étaient pétés. Donc tu vois, ça se passe pas bien. Mm. Euh, ça a été la fête à la réinstallation pour la plupart des drivers audio, vidéo. Euh, les claviers, pourquoi La souris, why the fuck not la Souris pareil, c'était impossible. Il y a eu des gens euh, dans mon entourage euh, qui, qui ont eu des soucis aussi, des gens, des gens qui s'y connaissent pourtant, mais qui ont eu des trucs très bêtes. Genre, pourquoi GTA 5 s'affiche en 800 par 600 ben, Très simplement parce que euh, DirectX, qui était installé, a été défoncé par la mise à jour Windows. Et donc, les installs de jeux DirectX, certains ont dû être refaits il y a eu des vérifications de fichiers à faire. Enfin, c'était un peu compliqué. Euh, mais du coup oui la maj annuelle je suis pas fan et ensuite il y a un autre truc dont je suis pas fan chez Windows et qui me déplaît fortement c'est que déployer par vague donc déployer par vague de machines on va dire 100 000 machines puis 200 000 machines puis 500 000 machines par vague c'est bien si tu veux ça te permet de voir à peu près euh, ce qui se passe forcer comme un forceur c'est non. Est-ce que nombre de mages de Windows se lancent alors que t'es en plein boulot, même si t'as demandé de les retarder au lendemain Et ça, ça me rend totalement fou quand on dit oui, mais tu l'as retardé plus de deux jours. Oui, parce que ça fait deux jours que j'ai besoin que tu me foutes la paix et que tu me laisses travailler. Et en fait, non, elle se lance, et elle fait... Bon, tant pis, je vais quand même la lancer. Et là, je te jure, t'es pas du tout l'esprit de Noël. T'es vraiment pas l'esprit de Noël. Alors, bon. la question évidemment euh, que tu vas me poser, Yann, c'est oui. est-ce que c'est possible de downgrader C'est la grande question en fait, puisque de temps en temps tu fais une grosse mise à jour, tu passes par exemple de Windows 8 à Windows 10, tu te rends compte que les performances ne sont pas, euh, disons, à la hauteur de ce que tu espérais, parce que ta machine, elle a déjà 4-5 ans dans le pif, euh, et tu te dis, bah tiens, j'aimerais bien pouvoir retourner à Windows 8. Alors, euh, pour répondre premièrement à cette question, est-ce qui possi est, qu est possible de passer à Windows 8, de Windows 8 à Windows 10 euh, c'était possible de le faire quand on a fait le transfert gratuit c'est toujours possible de le faire mais si tu passes si ta machine peut passer à 10 tu passes à 10 mmh. de base tu peux passer mmh. à 10 physiquement moi j'ai une machine qui a 5 ans passé bientôt 6 je suis ah, passé ouais. à 10 ça va ça fonctionne par contre chose très importante si vous avez un pc dit du commerce c'est à dire une machine montée ce qui est mon cas voilà, une machine que tu as acheté toute montée, genre qu'à la RAM soudée ou les PC Asus euh, ou les, 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 les Omen ce genre de trucs. Euh, ce qui était le problème de Daddy Creek, justement, qui a une machine qui avait été construite, euh, il a une, une CM6650 qui a été construite par Asus, donc qui est une bonne machine, hein, faut pas, je ne mens pas, ce n'est pas, pas une mauvaise machine si tu veux. C'est une bonne machine, mais le problème, c'est qu'au niveau du hardware, la carte mère, par exemple, elle n'a jamais été étudiée pour passer à 10. Du coup, hmm. il était passé à 10, ça allait. Il est passé à la Fall Creators Update, sa machine est pétée. Mm. Donc, le seul espoir qu'il a actuellement, et je pense qu'à l'heure actuelle, à l'heure où on enregistre euh, cette émission, euh, je pense qu'il est encore en train de se battre à réinstaller euh, Windows 8 dessus, le pauvre, ah. c'est qu'il faut faire attention à la compatibilité. Quand tu achètes une machine toute montée, il faut te dire qu'il y a une certaine obsolescence programmée, notamment au niveau de l'OS, parce mm. que tu ne pourras pas changer les drivers tu ne pourras pas changer le, tu ne pourras pas flasher ton BIOS tu ne pourras pas changer les drivers de ta carte mère ils vont être suivis sur 6-8 mois et puis après ils n'existent plus c'est déjà le cas on va dire sur les cartes mères du, des PC qu'on monte nous mêmes si tu veux mais là c'est encore plus prégnant et tu as vraiment une obsolescence programmée au niveau des drivers où tu ne peux pas forcément atteindre euh, plusieurs levées d'OS un PC acheté sous Windows 8, il va commencer en chier à Windows 10, je pense. Oui, et on parle justement de gens qui n'ont pas l'habitude d'ouvrir leur PC et de changer des choses à l'intérieur. C'est exactement ça. C'est exactement ça, et c'est ça le problème. Donc du coup, est-ce qu'il est possible de downgrader quand tu fais un passage genre de Windows 10 là, qui était Windows 10 normal à la Fall Creators Update Oui, c'est possible, heureusement. Mmh. Euh, et Microsoft euh, fait euh, le même système, grosso modo, qu que, que, que macOS, en te mettant tous tes trucs... Dans, une, dans un fichier qui s'appelle un point old, donc un ancien fichier, et qui te <laughs> dit, voilà, testez, si ça vous va, c'est bon. Si ça ça vous va pas, regardez, on vous a gardé le point old. Vous avez juste à dire que vous voulez revenir en arrière et on va vous downgrader votre, votre système. Il euh, y a le rollback. C'est quand même vachement bien ce qu'il y a à la conservation des fichiers. Et quand oui. vous avez passé quelques jours et si vous voyez que vous n'avez pas de problème majeur au bout, par exemple, de deux semaines, vous allez sur votre fichier .old, ils vont, ils vont vous dire où il est, hein. vous pouvez pas le perdre, vous cherchez, vous tapez .old et vous allez le trouver. Souvent il s'appelle Windows.old, tout simplement. Mm. Euh, vous pouvez le supprimer, vous, vous, il vous faut les droits administrateurs évidemment. Vous le supprimez et vous avez euh, fait votre match définitive et vous êtes en Windows 10 euh, Fall Creators Update. D'accord. C'est quand même assez terrifiant, j'en conviens, quand vous êtes euh, pas habitué à faire des mises à jour importantes et ce genre de choses et que ça plante euh, toujours évidemment si vous passez d'un OS à l'autre essayez de faire en sorte de pas passer dans une période où il y a une grande mise à jour, histoire que les mecs aient pu euh, régler les problèmes, genre là c'est la Fall Creators Update, euh, laissez passer 3-4 mois si vous voulez faire une installation de votre machine à 8, de 8 vers 10 et vérifiez bien que votre modèle de machine si vous l'avez acheté ou si c'est un PC portable supportera bien Windows 10 il faut quand même... Mais qu'il y, qu y ait des options de rétrogradage qui soient vraiment prévues à l'intérieur du système, c'est quand même fou. Euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout euh, côté Apple et c'est quelque chose qui m'impressionne. Je croyais que vous aviez ça avec ta machine, non. justement. Tu peux pas sauvegarder ton OS à côté et te dire revenir, euh, faire un rollback vers une ancienne version Tu peux, mais c'est plus malhonnête. Euh, J'y viendrai après. D'accord. Ensuite, bon, on a parlé de Windows. Euh, on va parler un peu d'Android. Euh, alors <laughs> possible alors déjà Android oui, il faut garder normalement votre téléphone à jour tant qu'il peut supporter les mises à jour. Pourquoi Parce que Android est un système extrêmement ouvert euh, et qu'on est 7 milliards et demi d'habitants et que dans ces 7 milliards d'habitants, il y a des connards. Des connards qui vont essayer de vous faire installer des saletés sur votre machine, qui vont installer de forcer, ils vont tenter d'installer de force pendant des, des saletés sur votre machine. Euh, Voir des, des mineurs de bitcoin qui vont faire exploser vos téléphones comme si c'était des Samsung euh... grande époque, hein, euh, voilà des Galaxy Note. Euh, du coup, est-ce qu'il est possible de downgrader Est-ce qu'il vaut mieux updater Oui, alors il vaut mieux updater, oui, ça c'est clair et net. Si vous avez un téléphone récent, il vaut mieux faire votre update. Euh, quoi qu'on puisse en penser, vous avez des updates de sécurité, c'est fait pour vous maintenir en sécurité. C'est un peu, c'est le b hein. Je 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 viens pas prêcher la bonne parole et tout. Je remets juste les bases à plat. Hein. Par contre, est-ce qu'on peut grader <laughs> Oui et non. Euh, parce qu'en fait, là, c'est pas Android, c'est pas Google, c'est pas Android qu'il faut blâmer. Ça dépend en fait du fabricant du téléphone. Mm. Donc en fait, si vous faites un retour aux paramètres d'usine, ça ne fonctionnera pas toujours, voire pas du tout. Donc vous pouvez oublier. Et c'est là que tu te rends compte que certains fabricants sont un peu plus honnêtes que d'autres ou un peu plus <laughs> intelligents que d'autres. Euh, et je vais commencer, et ça va en, faire, ça va en énerver un, hein, je te salue, <laughs> si on en a parlé le mois dernier. Mais Samsung euh, propose un logiciel qui s'appelle Odin, euh, qui permet avec un tout petit peu de patience d'effectuer un véritable rollback sur tous ces téléphones Galaxy. Comme quoi, on peut ne pas aimer une surcouche, mais parfois ça a du bon. Parce que quand tu as une merde euh, comme ça, il y a pu avoir sur, euh, sur Nougat ou sur, euh, sur, sur certaines sous- versions d'Android et que tu te rends compte que ça fait ramer ton téléphone et que le patch correctif il arrivera que dans trois semaines. Bah c'est quand même bien d'avoir une image, pouvoir faire un rollback de ton OS parce que Odin et Samsung a les anciennes images des OS et tu réinstalles ton téléphone au propre sur une version qui est certes plus, un peu plus ancienne. Donc la version précédente qui pas pas encore à jour mais qui mmh. est stable, parce que si jamais mmh. la nouvelle version, elle est sécurisée, mais qu'elle fait planter ton téléphone deux fois par jour, ça ne sert à rien. C'est pas la peine. C'est pas la peine du tout. À côté, euh, nos amis de chez LG et Sony proposent aussi un outil officiel pour flasher, pour flasher ta ROM sur leur site officiel respectif, vous trouverez ça. Et ça, c'est cool, parce que beaucoup de fabricants ne proposent rien du tout. Euh, là, on parle d'outils officiels. Donc, si vous avez un souci quand vous avez flashé votre téléphone pour récupérer une ROM antérieure, vous n'avez rien fait d'illégal, vous n'avez rien fait qui, 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 comment dire, qui enfreint les clufs de votre, de votre téléphone ou de, mmh. la, de, votre, de votre contrat d'achat de marque. Vous mmh. êtes dans les clous. Les autres n'en ont pas. Donc, il faut vous tourner vers des outils communautaires. Et là, c'est à vos risques et périls. Il y a plein d'outils communautaires. Alors là, je pourrais dire qu'il y en a pour, il y en a pour euh, Xiaomi, il y en a pour Huawei, il y en a pour justement Motorola. Dont on a parlé Dans le monde Android, c'est pas ça qui manque, pour le coup, les outils de ce type. Ouais, euh. mais le problème, c'est que déjà, euh, ce sont des outils communautaires, donc ce ne sont pas des outils officiels. Donc, aussi, aussi bons soient les développeurs, il y a toujours un risque. Puisque de base, vous enfreignez... Euh, vos règles légales puisque vous flashez une rom alors que les téléphones n'ayant pas de logiciel officiel bah, c'est pas compris dans la garantie ensuite euh, il faut quand même être un petit peu bidouilleur mmh. il faut avoir un petit peu de faut repérer faut tâter le terrain faut connaître un petit peu ce qu'on fait parce que quand vous utilisez ce genre d'outils euh, la plupart des rom que vous allez trouver soit vous avez la chance de trouver des rom officielles sinon vous êtes bon pour installer une rom custom donc, une ROM custom, euh, c'est une ROM, donc une image de, 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 de l'OS, un OS, qui a été customisé par des développeurs et on ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. Donc, il faut aller sur des sites de confiance. Euh, je ne vais pas vous indiquer lesquels. Clairement hmm. pas, parce que c'est pas un truc déjà que j'aime et en plus c'est pas un truc que je vais conseiller de suite. sauf si Tu vous veux êtes pas très... avoir la responsabilité de ça Ah non, c je prends pas aussi, la hein. responsabilité. C'est comme les gens qui me disent Oui, mais j'ai envie de faire un, un OC de bâtard. Je suis, mais moi je, veux, je je te fais une config, mais je vais pas t'aider à faire un OC parce que si tu merdes sur tes tensions que tu fais péter, je veux pas que ce soit ma faute si tu veux. Qu'est-ce que tu entends par OC pour Overclocking ça sur un PC, c'est-à-dire Overclocking. Overclocking, monter la puissance du processeur au-delà des limites qui lui sont, qui lui sont données. Dans sa version vendue de base, tout quasiment Et... tous les processeurs sont overclockables. Vous euh, <laughs> peut augmenter la puissance pour gagner un peu, mais à ce moment-là, ça inclut de monter la puissance de l'alimentation la, de la RAM, la tension de mmh. la RAM. Pareil mmh. pour la carte graphique, ça consomme plus d'énergie. Il faut oui, donc c'est prendre des risques. C'est prendre des risques et moi je ne suis pas là pour faire prendre des risques aux gens. Et c'est pareil avec moi. Je représente un petit peu le côté Apple de la conversation. Je pense que après neuf épisodes, tout le monde l'aura compris. <laughs> euh, c'est pas moi qui vais vous recommander de faire un Macintosh ou de vous dire comment faire ou de faire du jailbreak. D'autant plus qu'aujourd'hui, le jailbreak c'est devenu quelque chose. Euh, comment va dire de quasi inexistant. Il hein, faut être très clair. Mais ayant euh, et, 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 et perdu beaucoup d'intérêt d'ailleurs aussi. Mais bref, tout ça pour dire, on n'est pas là dans Tech2 pour vous dire euh, voilà les manières risquées de briquer votre, briquer votre que appareil ça, et qu'il soit risque. inutilisable. Merci de le dire, oui, c'est ça le risque. Parce mmh. que vous pouvez utiliser Bootloader, Bootloader, <laughs> c'est pratique, ça peut te permettre aussi de, 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 de virer des trucs bloqués dans ta ROM. En fait, le problème, <laughs> si t'as briqué ton téléphone, tu, tu vas être très très vénère, genre très Il y a très, suffisamment. très vénère. Il y a suffisamment de risques de briquer son téléphone en faisant des trucs normaux Déjà pour, déjà. Pour pas qu'on vous conseille de faire des trucs risqués déjà, en fait. déjà tu peux briquer ta vie sur Tinder Mais tu vas pas briquer ton téléphone non, avec toute l'odeur <laughs> Là aussi je précise Pour les gens qui n'ont pas forcément le vocabulaire Briquer c'est quand vous faites une opération sur votre appareil Ça peut être un téléphone, ça peut être une console Ça peut être un, euh, plantage un irréversible. ordinateur voilà, c'est en fait, vous faites un truc irréversible Généralement, pendant une grosse mise à jour Ou pendant quelque chose qui touche vraiment des, des fichiers système Ou alors des composants qui sont très, très, très importants Pour le fonctionnement de l'appareil Et qui le rendent inutilisable Inutilisable au point d'être une brique euh, Vide de vie euh, électrique Et donc, euh, voilà, briquée Oui, c est c est, le terme c'est ça C'est-à-dire inerte comme une brique C'est pour ça qu'on dit briquée Mais si vous voulez imaginer la sensation Que fait un téléphone qui se brique Pour en avoir malheureusement vu euh, imaginez un vieux bruit de frein à main très très fort. Oui Non, 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 le chcrrr. Le bruit ah, okay. de frein à main, carrément, quand on tire le frein à main euh, sans appuyer sur le bouton, on et ça le et, et, et un truc irréversible. Ça, vous entendez ce bruit-là dans votre tête quand ton téléphone se brique et vous savez que vous avez juste un morceau de technologie inerte qui ne sert plus à rien. Donc faites quand même très attention. Et toi Yann, vas-y, fais-moi rêver. C'est quoi ta philosophie Ma philosophie euh, en ce qui concerne tout cela, euh, premièrement, c'est potentiellement. Alors, je reviens d'abord à ce que disait Franck quand même. Euh, c'est de faire vos backups. Je le répète juste une dernière fois. Tous les supports, y compris iOS, vous permettent de faire euh, des backups, y compris WatchOS dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'en fait, ça va la backup dans votre téléphone, mais voilà, hein, votre montre connectée peut quand même le faire. Euh, faites vos backups pour être sûr euh, de conserver vos données, de pas vous planter complètement. Tester euh, avec les bêtas publiques, ça peut être une bonne solution. Pourquoi euh, À partir du moment où euh, Apple propose une bêta publique, elle est déjà passé par des bêtas euh, com comment dire, uniquement, euh, uniquement données aux développeurs. Les développeurs peuvent commencer à faire des premiers retours en disant ça, ça fonctionne pas, ça, ça consomme trop de batterie et je comprends pas pourquoi, etc., etc. Donc vous avez déjà une version de système qui est relativement proche de ce que vous aurez au moment où le système sortira. La grosse différence et l'intérêt, c'est que vous pouvez roll back, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez rétrograder. Tant que c'est une bêta publique, vous pouvez revenir à la dernière version officielle euh, normale normalement publiée de votre appareil que ce soit un Mac ou que ce soit euh, un, un iPad ou un iPhone ou même une montre euh, connectée une Apple Watch vous pouvez revenir en arrière si c'est une bêta publique si ça ne l'est pas ça devient plus compliqué en ce qui concerne les montres et euh, les appareils iOS donc téléphone et tablette je reviendrai après euh, comme tu le faisais remarquer d'ailleurs le rythme annuel c'est pas idéal c'est pas idéal parce que ça force, euh, comment dire, les développeurs bah, qui travaillent sur des choses très importantes, hein, sur le système lui-même, à faire les choses selon un calendrier qui est extrêmement euh, fixé, et donc soit à ajouter très peu de nouvelles fonctionnalités, soit à bâcler parfois un petit peu les choses et à sortir euh, des versions de systèmes qui sont pas bah, bah, idéales, qui plantent, qui consomment beaucoup de batterie sur d'anciens euh, téléphones ou d'anciennes tablettes, etc., etc. Donc ce rythme-là, personnellement, je trouve un petit peu déplaisant. Euh, je préfère qu'on prenne plus de temps, euh, que les, les, les fonctionnalités soient plus mûries, que les performances soient également plus euh, réfléchies et testées euh, que ce que ça ne l'est actuellement, à cause, à mon avis, mais ce n'est qu'un avis euh, vu de l'extérieur, à cause du rythme euh, annuel. Enfin, tant que possible, je vous recommande de ne pas activer les mises à jour automatiques euh, de système. Pourquoi Premièrement, euh, parce, que ça vous, euh, parce que ça vous permet d'éviter de passer à, au nouveau système sans que vous l'ayez demandé, euh, de vous retrouver soudainement avec votre téléphone qui euh, bah, tiens, est en de se mettre à jour alors que j'ai pas demandé grand chose ou qui me, qui me réclame véritablement de le faire tout le temps. Par contre, ça vous responsabilise, comme le disait également Franck, euh, ça ne vous dédouane pas de faire les plus petites mises à jour qui sont des mises à jour qui contiennent des correctifs qui ne changent pas, qui vont pas changer grand chose aux performances puisqu'elles changent pas grand chose aux technologies euh, qui sont euh, qui tournent simplement dans le, dans, dans le système, dans la version du système que vous faites tourner sur votre appareil. Donc, ça vous responsabilise, ça vous demande de faire cela. Enfin, un dernier point euh, qui est important à savoir par rapport aux appareils Apple. Si vous allez dans un Apple Store avec un téléphone, une tablette, un ordinateur qui n'a pas la dernière version en date publique euh, du système, le premier truc qu'on va vous demander, quoi qu'il arrive, euh, c'est de le mettre à jour. Même si c'est un problème qui touche le hardware, même si c'est, même s'il y, y a un trou béant dans votre clavier la première chose qu'on va vous dire, c'est que ça ne marche pas peut-être à cause du fait que vous n'ayez pas iOS 11 ou que vous n'ayez pas macOS ICRA. Ce <laughs> n'est pas du tout ça. C'est juste qu'on vous demande de le faire. On vous demande de le faire pour des raisons qui sont en partie honnêtes, aussi parce que de toute façon, euh, l'Apple Store veut conduire des tests, de, de, comment dire, des, 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 des analyses en fait, sur, votre, sur votre appareil. Et pour le faire, pour faire ces tests-là de la manière la plus, la, la plus précise, il demande d'avoir la dernière version, Parce puisque la dernière version des diagnostics se trouve sur la dernière version du système. Les diagnostics les plus précis. Mais je continue à penser que c'est un, un petit peu problématique qu'on vous demande, qu'on vienne vous dire ⁇ Oh là là mon ami, euh, il faut le mettre à jour alors que c'est un problème qui n'a rien à voir. C'est une condition sine qua non pour, auprès d'eux. J'en ai fait l'expérience. Alors que le problème n'était pas du tout lié à ça, on m'a dit ⁇ Non vas-y, fais-le, fais-le, fais-le. ⁇ Et c'est un problème pour iOS parce qu'on peut pas revenir en arrière. En ce qui concerne macOS, c'est quand même plus simple. Il est possible de revenir en arrière jusqu'à la première version sur laquelle votre appareil a été distribué. Je vous conseille de faire le tour sur le support, le site de support d'Apple. Vous allez sur apple.com, vous cherchez le nom de votre appareil, vous tombez sur les pages de support. Et vous pouvez donc tomber sur la version sur laquelle, euh, avec laquelle votre, votre appareil euh, a, été, euh, a, été, a été sorti d'usine, euh, ce qui vous permet de revenir derrière ça. Il vous suffit de retrouver un installeur, en fait. N'hésitez pas à mettre vos installeurs de système d'exploitation en euh, les téléchargement depuis l'App Store euh, dans le, sous le coude, parce qu'ils pourraient vous servir un jour. Mettre à jour, c'est une bonne chose, parce que d'un côté, effectivement, il euh, y a de nouvelle fonctionnalités. Encore que ces temps-ci, le Mac est clairement le, ma le parent pauvre niveau nouvelles fonctionnalités. Euh, C'est clair qu'on a la nouvelle version par exemple du, 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 le, le nouveau formatage de disque euh, sur un nouveau standard euh, qui, qui, qui est venu là, qui permet d'uniformiser, qui améliore avec les SSD. Mais en même temps, est-ce que ça change l'univers d'avoir ça C'est une question qui se pose. Ça vous permet d'obtenir des correctifs, c'est vrai. Ça vous permet, selon les crues, de meilleures performances. On se souvient avec l'alarme à l'œil de Snow Leopard, ainsi que de Mavericks, qui sur énormément de machines, pas sur toutes, mais sur énormément de machines, avait vu par rapport à la version précédente un gain en termes soit de durée de batterie pour les ordinateurs portables, soit simplement de performance parce que les technologies euh, qui étaient à l'intérieur, bah voilà, étaient simplement plus efficaces. Et puis en défaveur hein, de mettre à jour votre Mac. Et eh ben déjà, le fait que votre Mac, techniquement, il est supporté, même si vous restez sur la même version, année après année. Safari est supporté jusqu'à sur les trois dernières versions en date, ce qui signifie que si vous avez aujourd'hui El Capitan, vous avez encore les mises à jour de Safari. Pareil pour les grandes mises à jour de sécurité. Les grandes mises à jour de sécurité continuent d'être servies pour iSierra, Sierra et El Capitan. Vous pouvez d'ailleurs voir, je mettrai la, la, la page sur le, 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 le lien vers la page sur la page de l'épisode. Il euh, y a une page donc sur le site d'Apple qui vous liste les dernières mises à jour, notamment de système et vous pouvez voir dessus qu'il y a encore aujourd'hui voilà le 31 octobre par exemple une mise à jour de sécurité pour El Capitan alors qu'El Capitan est sorti il y a trois ans euh, ce qui est quand même chouette et puis également en argument contre faire la mise à jour bah des risques de perte de performance selon les crus évidemment quand le système d'exploitation part sur un par défaut avec, par exemple, des effets visuels supplémentaires ou euh, des des, 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 dire, des fonctionnalités qui demandent simplement plus de calcul, plus de puissance de calcul, plus de ressources. Ben ça va rendre ce que vous faisiez plus lent forcément. Et c'était notamment le cas. Euh, le saut de Snow Leopard à Lyon était extrêmement violent. Euh, de même, quand on est passé à Yosemite, je crois que c'était après Mavericks. Euh, dans les deux cas, c'était deux grands pas en avant pour macOS. C'était deux pas en avant qui s'étaient soldés par des grosse perte de performance euh, sur un bon nombre de machines et notamment des ordinateurs euh, portables. Donc c'est quelque chose à considérer, à garder en tête quand vous mettez à jour votre Mac vers une nouvelle grande version. En ce qui concerne iOS, c'est impossible de revenir en arrière, euh, très clairement. C'est impossible de revenir en arrière, je ne sais pas comment vous déguisez le truc dans un sens ou dans un autre. Euh, Aujourd'hui même le jailbreak euh, techniquement vous permet plus trop de le faire, ça devient vraiment infernal. En fait ce qui se passe c'est que Apple ne signe, c'est-à-dire ne valide l'activation euh, de version d'iOS euh, que la dernière en date. Euh, vraiment de manière extrêmement stricte. Il y a un léger, mais vraiment une légère fenêtre quand la nouvelle version sort pour valider la version juste avant. Par exemple, quand iOS 11 est sorti, la toute dernière version d'iOS 10 était encore activable pendant, mais j'ai même pas envie de vous dire quelques jours, mais quelques heures. À ce stade, mais au-delà de ça, c'est vraiment compliqué. C'est pas possible comme sur Mac de simplement prendre euh, une ISO, euh, une, 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 une copie euh, de l'ancien système tant qu'il est compatible avec votre, votre Mac et de le remettre dessus ou alors d'utiliser, comme on, on en parlait tout à l'heure, une sauvegarde de time machine et d'écraser euh, le contenu de votre disque dur avec l'ancienne version de Mac avec vos anciens fichiers, etc., tel que c'est possible aujourd'hui. Ça, c'est possible aujourd'hui sur un Mac, c'est pas du tout possible aujourd'hui sur un appareil qui fait tourner iOS. Alors, un avantage de faire ces mises à jour, évidemment, c'est les nouvelles fonctions et là, c'est là que la force software d'Apple est en ce moment. Apple fait un effort particulier, innove le plus. La dernière, le dernier grand exemple, c'est évidemment le multitasking sur iPad qui s'est amélioré, qui est apparu sur iOS 10 et qui s'est encore amélioré sur iOS 11. Euh, c'est vraiment l'exemple le plus euh, clair hein, en ce qui concerne ce genre d'évolution. C'est également des correctifs, des correctifs qui peuvent être assez réactifs si jamais il y a des, il y a des gros soucis. On se souvient notamment du bug du 2, euh, du 2 décembre euh, qui a été corrigé le lendemain, voire même le jour même. Et puis également, un non appauvrissement des performances sur certains appareils, et principalement sur les iPads. Les iPads résistent pas mal aux mises à niveau vers un nouvel, un, une nouvelle version complète de l'OS. Mon iPad R2 par exemple est franchement utilisable. Il y a des baisses de performance, mais elle reste franchement utilisable alors que je lui ai fait tourner iOS 10 qui, dans, qui en demande beaucoup plus. Euh, par contre, dans les arguments contre ces grosses mises à jour sur les appareils iOS, bah, généralement c'est l'appauvrissement de, de performance. En bonne partie sur les iPhones, les iPhones prennent cher très souvent euh, à partir de la première grande version et quasi systématiquement à partir de la, la deuxième. Hein. La première grande version, c'est pour certains cas, mais à partir de la deuxième grande version, si par exemple votre appareil est sorti sur iOS 9, iOS 11 commence à le faire souffrir pas mal. Les gens qui, sont sur, qui ont un iPhone 6, euh, par exemple, ont vraiment de la peine à faire tourner euh, iOS 11 aujourd'hui. Et également certains iPads, c'est beaucoup plus rare, mais par exemple dans le cas du premier Retina de l'iPad 3, il euh, y a eu de gros gros soucis. Euh, en gros déjà l'iPad 3, en bah, demandait plus avec un plus grand écran alors que les composants étaient rel restés relativement les mêmes depuis l'iPad 2. Euh, donc déjà de base sur le système d'exploitation sur lequel il était sorti, c'était un petit peu la panade, mais alors euh, sur les, les mises à jour qui ont suivi, c'était carrément euh, la débandade. Petite tangente sur ce point. Euh, D'ailleurs, les appareils sur iOS ralentissent bien au fil du temps à cause d'Apple et notamment avec euh, iOS euh, 11, qui décide maintenant de réduire les performances en fonction de l'état et de la santé de la batterie. Ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose en fait, puisque ça permet euh, d'avoir un téléphone qui ne passe pas de 100 à 0 euh, en, en l'espace de 2 heures dans votre poche sans avoir rien fait. Ce qui, euh, ce qui, ce qui est, est justement positif. super intéressant aussi, Yann, c'est que euh, Android n'a pas ce problème et c'est ce qui permet aux hackers qui mine du Bitcoin coin Via les téléphones Android, mmh. de les faire exploser mmh. justement, parce qu'il n'y a pas cette petite sécurité qui au final s'avère euh, relativement intéressante. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu parlais de overclocker, là, Apple volontairement downclock, c'est-à-dire oui, réduit même. la fréquence d'utilisation du processeur en disant non, non, non euh, là ça devient euh, dangereux pour la batterie, puisqu'en fait le système lui en demande plus, euh, la batterie est plus âgée donc a une capacité amoindrie. Euh, donc on n'a pas envie que vous ayez une mauvaise expérience. La question se pose ensuite, est-ce que Apple aurait dû être plus transparent sur la question, puisque c'est quelque chose qui a été découvert par, euh, notamment, enfin, par une recherche qui a à la fois passé par des journalistes et en même temps par des, des gens sur Reddit Est-ce que c'est quelque chose euh, qu'Apple devrait laisser comme choix Est-ce qu'on devrait laisser la possibilité de choisir entre les performances et la batterie C'est une autre question. Euh, c'est toute la question en fait de l'arbitraire, hein, d'Apple qui décide pour vous et qui se dit bon ça c'est probablement la meilleure solution pour nos clients. Il y a un truc qui a été remonté aussi, je me permets, Yann, mais euh, Apple devrait permettre de mettre le téléphone euh, en puissance maximale quand il est branché au secteur, mmh. quand il est en train de charger. Comme une Switch. Comme un PC portable. Comme une Nintendo Switch. Comme un PC portable. Comme un PC portable. Euh... Mais c'est ce que font, en parenthèse, c'est ce que font les PC portables. Et c'est ce, les... ce que font les, les, les iPhones et les iPads, oui, d'ailleurs, déjà iPads. de base. Oui, bien sûr. Dans le sens inverse. Dans le sens inverse. C'est-à-dire que sur un iPhone et un iPad, par exemple, sur un appareil iOS, quand tu atteins un certain, nombre de... Un certain niveau de batterie, moins de 10%, il va d'un cloquer aussi. Ah mais c'est ce que euh... fait aussi Android, système Android, tablette mmh. Android, le font, Quand tu es, tu peux fixer la, la puissance à la partir de à partir de laquelle tu passes en mode économie d'énergie, elle va baisser au ça. maximum le système histoire de te garder de la batterie. Oui, normalement c'est 10-15%, voire 20% si tu peux remonter le truc. Mais c'est oui, c'est dans le ouais. même, même ordre. Mais je, je fais cette tangente là parce que souvent les gens se disent la raison pour laquelle mon appareil se ralentit, c'est à cause de la mise à jour. Désormais pas forcément. Désormais c'est probablement aussi parce que euh, l'appareil, euh, le système d'exploitation qui fait tourner l'appareil, a comme logique interne, à partir d'un certain nombre de cycles de, de batterie, ou à partir du moment où on détecte que la batterie est suffisamment endommagée, euh, on va réduire euh, le, le, ce qu'on va demander au processeur. Euh, ce qui, là aussi, euh, change un petit peu euh, votre rapport à l'appareil. Enfin, et j'aimerais aussi le citer, en ce qui concerne Apple Watch, en ce qui concerne euh, Watch OS, il n'est pas possible de revenir en arrière. Il est également lié le système d'exploitation de votre, de votre montre connectée à celui de votre téléphone. IOS 11 et WatchOS 4 vont de pair, vous ne pouvez pas faire tourner l'un sans l'autre. Euh, en faveur évidemment de faire la mise à jour là aussi de nouvelles fonctionnalités. Euh, Apple tâtonne avec l'interface utilisateur sur euh, WatchOS, ils ont besoin de se faire la main, et donc chaque mise à jour pousse le truc en avant, chaque mise à jour change énormément de choses. C'est très excitant chaque année de voir un petit peu là où Apple va avec, euh, avec l'Apple Watch, de découvrir euh, de nouvelles velléités avec, euh, avec ce gadget. Et puis du côté contre, eh bien, les fonctionnalités qui sont euh, ajoutées, euh, elles sont euh, ajoutées tant que possible pour calquer le nouveau modèle d'Apple Watch qui sort en même temps que la mise à jour. Autrement dit, sur un appareil aussi limité qu'une montre connectée, ça va probablement vers un appauvrissement des performances pour les montres les plus anciennes. Et ça, c'est bien dommage. Et finalement, là où j'aimerais euh, terminer le chapitre euh, Apple, là-dessus, et principalement sur iOS et WatchOS, puisqu'il n'est pas possible de revenir en arrière, c'est qu'Apple, d'accord, notamment avec, euh, avec quand vous passez en Apple Store, vous force hein, euh, à faire la mise à jour. Pareil, sur votre appareil très régulièrement, vous avez, euh, mon ami, mon ami, euh, met à jour, tu n'as pas encore mis à jour, on te met un badge que tu, peux, que tu ne peux pas retirer sur l'application euh, réglage, on te, on te fait une notification, où en gros, les deux seules options, c'est installer ou plus tard, ou je veux des détails, mais pas répondre non et pas répondre au nom de manière durable donc Apple le force vraiment sans l'installer euh, sans votre autorisation mais le force et vous, vous le pousse vous le met en avant extrêmement régulièrement euh, dès lors que vous ne faites pas à partir d'un certain moment euh, la mise à jour euh, toutefois je pense vraiment qu'Apple qui bénéficie quand même hein, de ressources assez importantes dans ce milieu là devrait faire un suivi meilleur de ses appareils et pourtant ils en font déjà un bon je veux dire les mises à jour sortent sur un grand nombre d'appareils ce qui n'est pas euh, quelque chose qui peut être dit du côté d'Android où euh, les nouvelles versions d'Android ne sont pas nécessairement supportées par tous les appareils loin s'en faut y compris par des appareils d'ailleurs qui sont à la pointe du truc euh, ce qui est quand même assez dingue tu vois certains téléphones Samsung qui sont plus supportés très rapidement euh, ce qui est intéressant avec Apple c'est qu'ils le supportent par contre ils le supportent de manière assez brouillonne c'est à dire que ils vont avoir tendance à ne pas mettre dans la nouvelle version par exemple euh, sur un ancien téléphone euh, de fonctionnalités que le téléphone ne peut pas utiliser parce que par exemple il lui manque une, une caméra en plus qui est disponible uniquement sur les nouveaux modèles ça ils vont bien faire gaffe à retirer par contre des, 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 des fonctionnalités qui sont pas on va dire au cœur de l'expérience qui pompent énormément de ressources mais pour des raisons hardware qui peuvent tourner mais mal tourner ils vont les mettre quand même et ça à mon avis c'est un problème il devrait être possible de les désactiver ou alors il devrait être possible de à mon avis dans un monde idéal euh, de dire je veux pas qu'elles soient installées avec euh, je trouverais ça vraiment intéressant. Ce n'est pas le cas actuellement. Il vous force l'installation. Dès lors que ça rentre, ça rentre et ils le mettent. Dès lors que comment dire, vous ayez euh, tous euh, les inputs outputs pour pouvoir le faire, Apple va le mettre et je trouve ça regrettable euh, sur dans cette version. On va faire un petit crochet pour terminer ce dossier, mon cher Franck, par les consoles de jeu. Quelle est ta philosophie sur la mise à jour des consoles de jeu Il n'y euh, a pas de philosophie à avoir sur les consoles de jeux, parce que vous mettez vos consoles à jour tout simplement si vous voulez qu'elles fonctionnent. Ah ah ah. C'est aussi simple que ça, puisque euh, maintenir à jour sa bécane est obligatoire si l'on veut bénéficier des fonctionnalités en ligne déjà, sinon ça. tu ne peux pas. Euh, tu ne peux pas avoir de mise à jour de jeu, je pense à la PS4 par exemple, si tu veux mettre à jour un jeu, il faut que tu mettes d'abord à jour ta console. Donc, mmh. tu es obligé. Pareil sur la Xbox One, si tu veux jouer à un jeu récent qui a besoin de mise à jour, il faut que tu puisses mettre à jour ta console parce que non seulement tu as une mise à jour de l'interface, certes, et des produits, certes, et de plein de choses, mais tu as aussi une mise à jour de driver, des mises à jour logicielles très importantes pour le fonctionnement de la machine. Donc, de toute façon, c'est obligatoire. Petit, mmh. petit point positif quand même. Euh, sur ces nouvelles B.K. donc sur ces, sur ces les, les dernières machines de la génération actuelle, parce que elles sont plus nouvelles, maintenant elles ont 3 ans quand même. faut qu'on arrête de les appeler de la nouvelle génération. Euh, sur ces les machines de cette génération, les mises à jour peuvent se faire de manière passive quand la console est en veille. Si elle est reliée à Internet, par exemple la Xbox One ou la PS4 peut télécharger sa mise à jour et préparer l'installation. Et quand vous l'allumez, vous n'avez plus qu'à l'installer au dernier moment quoi. Ça, c'est quand même pratique par rapport à avant où tu n'avais pas allumé ta console. On disait Ah, ben là, tu peux rien faire. faut que tu télécharges la mise à jour d'abord et après, tu pourras jouer. Là, elle télécharge en passif. Euh, elle l'installe même en partie pour, 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 pour les consoles qui le font. Et après, ben, tu n'as mmh. plus qu'à allumer ta console, finir ta mise à jour, la redémarrer et profiter de, de ta machine. Je vais compléter ce que tu dis, effectivement on n'a pas le choix, euh, on va généralement vers de meilleures performances et je prends le cas de la Wii U et de ses chargements réduits de moitié après la grosse première mise à jour qui avait eu lieu. Euh, C'était un gros sujet de tension d'ailleurs entre Nintendo et les joueurs, euh, cet OS qui était extrêmement lent. Après, la, tentaton, la tentation d'attacher de nouveaux services est grande du côté justement des constructeurs et peut également amener à baisse euh, la, 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 la baisse des performances dans certains cas de figure. Je pense notamment, je crois, à la Xbox 360 qui avait eu, comment dire, euh, mise à jour sur mise à jour esthétique avec des petits effets 3D, de la pub ajoutée ici et là, et puis à certains points, euh, véritablement euh, plein de petits services euh, débiles. Il y a eu un changement, euh, ouais. par, euh... ça avait beaucoup alourdi à l'époque, parce qu'il faut, faut rappeler quand ouais. même que la Xbox 360 a vécu euh, 8 ans, ce qui est énorme, mm -hmm. et que oui. l'interface de la console au départ n'était pas du tout celle qu'elle a été après et qu'elle a été au plus haut de sa gloire. Parce que l'interface mm -hmm. Xbox au départ, c'est quelque chose d'assez épuré, avec des, des espèces de petites pages comme des post-it qui se décalaient sur les côtés. Des espèces de soufflets de bus, ça, en C'était des soufflets, ouais. et puis après on est parti sur une véritable interface multimédia où tu pouvais gérer tes jeux, tu pouvais avoir des applications. Et ça ça mm -hmm. a suivi l'évolution technologique, et évidemment il a fallu une énorme mise à jour qui a eu lieu en 2011 euh, avec le, 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 le je crois que c'était le, le NXE justement, le, le New, New Xbox Experience. Euh, où ils nous ont rajouté euh, tout un nouveau dashboard avec justement une gestion des avatars en 3D qui rappelait un petit peu les mythes chez Nintendo, on va pas se mentir. Euh, oui. Même C'était 2010 même. Et ils ont rajouté au fur et à mesure pas mal de choses. Et quand ils ont fait cette mise à jour, ils ont viré les sous-couches qu qui étaient chiantes, les surcouches qui étaient plus nécessaires. Et ça a bien, bien, bien accéléré les machines. Mais le problème, c'est que les premières générations d'Xbox, qu'on appelait les modèles 20 gigas, qui était avant le modèle Elite sorti en 2007-2008. Ces modèles-là étaient très anciens et avaient du mal à fonctionner. Ça a été le même problème sur les PlayStation 3 euh, avec par exemple, vous avez dû en parler dans la cartouche, mais avec Uncharted. Euh, parce que quand Uncharted 3 est sorti, il faisait brûler les PlayStation FAT, PlayStation 3 FAT qui ne supportaient pas la charge graphique. Les mecs de, de chez euh, de, de, les équipes du développeur n'ayant plus, euh, plus de PlayStation 3 de test, ayant bossé sur PlayStation 3 Slim. Et là, ça crée un gros problème parce que t'es. Alors, bon, les mecs, il faudrait que quelqu'un vienne chez nous avec une PS3, s'il vous plaît, pour qu'on teste. Euh, et on lui offre une PS3 Slim en échange. Et il a fallu mmh. faire un patch. Donc, ah, maintenez vos consoles à jour. Et puis, évidemment, quand une console est très vieille, une machine est très vieille, c'est pareil. Il y a un moment, oui, malheureusement, l'obsolescence programmée des OS fait que ben, ça ne peut plus fonctionner pour votre système. Et qu'au mmh. bout de 3 ans, 4 ans pour un téléphone, ben, des fois, faut changer. Hein. Ou alors, vous restez avec un Windows Phone. Et puis, euh, <laughs> ça peut durer 20 ans comme ça. Hein, du moment qu'il vous sert qu'à téléphoner, vous êtes peinard. Vous n'aurez pas de problème de sécurité. Personne n'utilise Windows Phone. Pardon, David. <laughs> Mais, mais pour le coup, et en remarque générale, du coup, c'est à vous de faire un choix, en fait. Je pense sincèrement cela, au-delà des correctifs qu'il faut que vous fassiez. Je pense que c'est euh, assez clair. Euh, sur les grosses, grosses mises à jour, la réflexion, elle est euh, quel est le trade-off Et du coup, je vous conseille véritablement de vous pencher vers des gens qui ont sauté le pas, qui ont, avec un appareil équivalent aux autres, euh, passé à la nouvelle version et de tester euh, sur leurs appareils. De ne pas leur demander, parce que le plus souvent, les gens qui font ce genre de saut-là, c'est des gens qui n'ont pas le même, euh, la même opinion que vous de qu'est-ce qui, est, qu est qui constitue de bonne performance, qu'est-ce qui constitue euh, quelque chose de, de suffisamment euh, fluide comme interface pour être utilisé. Euh, mais véritablement, d'aller chez eux, de tester sur leur appareil, de vous dire bon, je suis d'accord pour que mon appareil passe à cela ou, ou au contraire je me dis non c'est trop risqué etc. Et puis ensuite d'avoir cette réflexion d'être responsable de vous dire je prends des risques niveau sécurité si jamais mon appareil ne reçoit plus de nouveaux correctifs parce que je reste sur une ancienne version, je prends également le risque de ne pas avoir de nouvelles applications qui demandent à tourner sur iOS 11, qui demandent à tourner sur macOS Sierra etc etc. Je prends ce risque, je prends ces inconvénients là pour euh, d'autres avantages. Euh, voilà, donc ça c'est clairement une réflexion à vous faire, mais en, vraiment en pleine connaissance de cause. Et si je pense qu'on n'a pas répondu à cette question-là pour vous, parce que chacun doit répondre à cette question-là euh, par soi-même et au cas par cas, euh, je pense qu'on vous a donné les éléments de réflexion pour vous, et je pense que c'est quelque chose déjà de très important euh, comme ça. Voilà, c'est la fin de ce dossier, on revient dans un instant pour le courrier des auditeurs. Salut, c'est Eric. L'univers des comics vous intéresse mais vous n'osez pas vous y plonger, vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné Vous confondez toujours Batman et Robin Ah mais ouais mais là c'est chaud là quand même, c'est chaud Dans Comics Outcast, avec une équipe de chroniqueurs de tous horizons, on décortique pour vous les titres sortis récemment, on revient sur des grands classiques du genre, on vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit, on va même jusqu'à regarder les films, les séries télé et les dessins animés dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi. Pas de prosélytisme, Marvel, DC, Image Comics mais aussi Dark Horse. IDW et les maisons indées, tout y passe. Il y aura forcément quelque chose pour nous. Comics c'est toutes les deux semaines sur Radio Kawa. Nous sommes de retour dans Tech2, c'est l'heure du courrier des auditeurs, la dernière rubrique de l'émission commence maintenant, la rubrique interactive. Et on commence mon cher Franck avec un message de Maxime, Maxime qui nous demande un mot sur les offres de PC dématérialisées, si on a une bonne connexion fibre, hors stockage de données personnelles, je ne veux pas que Franck me fasse les gros yeux. <laughs> bah, de base, il y a quelques offres actuellement qui sont en train de se développer, je vais souligner une française pour une fois. Euh, Qu'on connaît pas mal chez nous, qui est, qui est, qui est l'offre Shadow de chez Blade. Euh, mais malheureusement, j'ai pas pu tester pour l'instant parce que je n'ai pas la fibre et je n'ai pas, pas pu tester le matos qui était réservé pour l'instant à la presse. Euh, je n'ai pas vraiment donné d'avis dans le vent et te dire euh, c'est génial, c'est de la merde, machin. J'ai pas pu tester. Par contre, les numériques, Numirama et d'autres sites ont pu tester le service cet été. Euh, je te conseille le, le test des numériques, parce qu'ils ont fait un bilan après un mois d'utilisation complètement de, du PC délocalisé de, de Blade, donc le Shadow. Euh, là, le service vient d'être ouvert il euh, y, y a juste quelques jours, quelques semaines, même pas 10 jours, je crois, euh, avec deux offres une offre à 30 euros plus euh, 8 euros pour euh, gérer la machine, donc gérer le petit boîtier qu'on peut acheter 120 euros, ou une offre à 45 euros qui propose un truc un peu plus ouvert aussi. Euh, et ils ont annoncé que euh, donc le projet Shadow fonctionnait aussi maintenant sur Blade avec enfin chez Blade pardon ils ont annoncé que Shadow fonctionnait avec uniquement 15 mégas de bande passante donc de l'ADSL euh, urbain entre guillemets de l'ADSL qui fonctionne bien pas mon ADSL mm -hmm. évidemment hein, c'est une autre histoire mais donc c'est ouvert. Mmh. Euh, j'ai pas vraiment d'avis si ce n'est euh, que c'est pas un truc que je trouve euh, le, le principe d'avoir son travail chez quelqu'un d'autre. Je suis pas fan. Du moment que tu, si t'as envie de jouer, ça peut être super. Si t'as pas de travaux critiques euh, qui sont effectués euh, dessus, écoute, pour quelqu'un de, de, pour l'utilisateur lambda, j'ai aucun souci. Pour, pour quelqu'un qui fait du tra des travaux privés, des travaux sécurisés, machin, là, je suis moins fan parce que la seule chose qui te protège, c'est quelques lignes dans un contrat. Après, mmh. ça n'empêche pas que le fonctionnement du cloud computing peut être très intéressant, que les machines peuvent être de très bonnes machines, que les projets peuvent être de très bons projets. Euh, la, pro la boîte donc Blade, c'est cette start-up française qui fait le shadow, est très suivie mmh. depuis deux ans. Euh, apparemment, c'est des, euh, des gens soucieux de justement euh, faire un service de qualité. Euh, ils ont recruté des gens bien aussi récemment, donc je vois j'ai rien contre si tu veux. J'ai pour l'instant ouais. pas testé donc j'ai pas d'avis. Mis à part le fait que si je fais des travaux sécurisés, je préfère les faire sur une machine euh, qui n'est pas forcément reliée au net ou que je peux couper du net si j'ai besoin. Voilà. Mmh. En parenthèse, je précise juste que tu n'en dis pas du bien euh, parce que en ce moment, euh, ça, les, les gens ne le savent pas forcément, mais en ce moment, euh, Shadow, euh, enfin, non, c'est Blade du coup. La, la marque, marque c'est Blade et euh, Shadow Blade... c'est le modèle. Enfin la boîte c'est Blade et le modèle. La, la, marque, la, la boîte c'est Blade. Ok. Blade fait le tour des podcasteurs français pour leur demander de faire de la pub contre contre pognon et autres et, autre, euh, et autre formes de rémunération. Ah, ils font de... de la pub dans le dernier Castaner PC Hardware, le quatrième de couverture du CPC Hardware, c'est une publicité aussi. C'est normal si tu veux. C est, c est, par contre, ils sont dans la tendance, oui, ils sont dans la tendance de. de, 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 de c'est normal, ils viennent de sortir leur truc, c'est leur campagne de lancement. Qu'il y ait de la pub dont, euh, dans la presse, c'est pas, pas inhabituel. Qu'il y ait de la pub dans les podcasts, c'est plus inhabituel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, t'en parles euh, relativement favorablement. Et c'est pas. Euh, je veux dire, on n'est pas payé par eux pour dire ça. Ah non, non, j'en parle, j'en parle. Enfin, je suis pas favorable au truc, comme j'ai dit, j'ai pas testé. Ce que je dis juste, c'est que ça peut être. C'est des projets qui sont intéressants. Euh, ah, hein. Je connais des gens là-bas, euh, qui sont des gens. Mmh que j'apprécie plus ou enfin, oui, que pour contre qui j'ai pas de grief <laughs> déjà et que j'apprécie pour certains <laughs> si tu veux. Donc oui, ça peut être intéressant. Je vais pas évidemment, je vais te parler plus plus plus, fran plus fran franchement par exemple des croissants parce que je sais comment ça marche vraiment à l'intérieur et que c'est des gens que j'aime mmh. beaucoup. Donc, je sais ouais. que voilà, tu peux y aller en confiance. Blade, Blade, je connais pas leur service juridique, si tu veux. Je connais pas tous les mecs derrière. Donc, je vais pas dire Shadow, c'est génial. Shadow, c'est la fête. C'est un projet intéressant. Il y a un test des mmh. numériques qui, eux, l'ont testé mmh. pendant un mois, qu'il faut voir avant tout. Mais oui, ça peut mmh. être intéressant dans l'avenir pour des gens qui ont une utilisation, euh, qui est pas forcément la mienne. Si tu veux. Moi, j'aurais pas envie. Je suis trop parano pour aller foutre mon, mon matos, euh, genre mes écrits ou machin sur un service délocalisé. Euh, autre que Google Drive par exemple, alors que c'est le même principe si tu veux, mais là c'est une société privée qui est moins grande, donc euh, pourquoi pas quoi. Mais moi j'ai du mal avec ça. Non, non bien sûr, non je relevais ça parce que ils font. je sais je sais, mais ils le tour des podcasts. là-dessus. Ils font le tour des Soyons podcasts. Soyons clairs. Donc, euh, je, Soyons clairs avant. Tout. Je voulais juste, je voulais juste relever ça. Euh, bien 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 pour ma part, je souscris à ce que tu dis, ça peut être intéressant. Je fais quand même remarquer euh, qu'il est possible de faire du cloud computing par soi-même en fait. Si vous avez euh, un ordinateur de bureau qui, conne qui est connecté à Internet euh, constamment, vous pouvez mettre en place des solutions euh, de, de VNC, c'est-à-dire de, de connexion euh, par l'extérieur, euh, très. Euh... Bien sûr, tu peux faire la prise de contrôle à distance, tu peux utiliser un ton propre serveur genre tu loues un serveur Amazon euh, Amazon fait du cloud computing Donc, aussi hein. vous, vous, vous pouvez tout à fait avoir votre PC mouse à la maison et votre laptop extrêmement léger euh, en, en mobilité et, et, et vous Mais connecter tu pourras pas faire de cloud gaming et vous connectez l'un à l'autre tu pourras pas faire du cloud gaming par, par contre ça c'est vrai ouais, Shadow Shadow est beaucoup plus basé euh, sur le cloud gaming bah, aussi il y a une partie de leur marketing ils proposent de choisir ta machine c'est ça il y a une partie de leur marketing qui est, est orientée là-dessus qui est à la fois pour bosser ouais. et à la fois pour jouer euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils <laughs> ils sont pas ils sont pas idiots ils font notamment de la pub dans ces PC justement donc euh, c'est pas c'est pas c'est pas surprenant c'est pour le coup pour le coup le projet quand tu regardes le coût annuel enfin uh -huh. le coût annuel voire euh, le coût le coût d'exploitation sur 5 ans qui est le coût général d'une config mm -hmm. euh, est-ce que ça revient plus cher oui et non dans le sens où euh, évidemment il faudra voir dans le temps euh, puisque là la, la, vraiment le, 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 le produit ah. vient de démarrer en lui-même la boîte travaille depuis Blade travaille depuis très longtemps sur Shadow donc euh, on les a suivis depuis 3 4 ans si tu veux. La, la question la plus la, la plus grande en fait c'est la stabilité de ces boîtes-là et ça ça ne se verra que si ça marche. Donc euh... ça, ne, bah, ça ne se verra que d'ici un an ou deux déjà parce qu'il faut voir euh, à quelle vitesse ils vont changer leur parc. C'est ça Vu que là les premiers parcs sont équipés en 1070, 1070, 10, 1070, 1080, 1080 Ti, tout ce que tu veux, tu as des grosses cartes graphiques, mais quand les nouvelles vont sortir, à quelle vitesse ils vont changer pour des nouvelles parce que ça demande d'avoir chez toi donc dans ton emplacement serveur machin, de renouveler le parc de ces cartes graphiques aussi. Et, et quand tu es un client qui paye par exemple 45 euros par mois pour avoir la plus grosse machine, bah, tu vas vouloir avoir la nouvelle carte graphique le plus vite possible. Mmh. Donc c'est là qu'on va, qu'il va y avoir un véritable stress test pour la boîte et euh, sur les trois ans. Évidemment, si toi tu changes, tu changes de carte graphique, mettons sur 50, tu changes deux fois, mmh. ça te fait quand même euh, un coup en plus. Ouais. Mais à voir sur la durée, est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir un cloud computing, un, un computer, vraiment un ordinateur dans le cloud pour jouer à distance, euh, avec une carte graphique ultra badass et tout, et le truc qui fonctionne bien quand à la fibre, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un PC à la maison ça dépend vraiment de ton utilisation pour le coup et de l'argent que tu es prêt à mettre aussi. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir euh, une giga bécane de 50 cm de haut par 50 de large qui ronronne à côté euh, et qui doivent nettoyer, qui doivent entretenir, euh, qui, sur lesquels ils doivent faire les mises à jour driver ou toutes les mises à jour dont on a parlé. Là, ils n'ont rien à gérer. Ils, a, ils branchent leur boîtier, ils se connectent à leur serveur, à leur instance personnelle et là, ils ont tout leur matos à l'intérieur. Ils n'ont mmh. plus rien à gérer. Mmh, mmh. Ouais, Ça aussi, c'est un. C'est un avantage, mais c'est un avantage qui se paye. Bien, merci pour ta réponse euh, étendue sur la question. Son Lac demande quelles sont les applications qu'utilise le Père Noël pour sa tournée Alors évidemment, <laughs> sens de l'humour, etc. Christmas Special. Toutefois, euh, je, je, je prends la tangente et je vais te répondre Deliveries. Deliveries, c'est une application qui existe sur euh, iOS et macOS, une très chouette application qui, te permet, qui est payante et qui te permet euh, d'indiquer à l'intérieur euh, les codes de livraison de tes, différents, euh, de tes différentes commandes réalisées par internet, alors livraison DHL, livraison de la poste suisse, livraison de la poste française, etc. Tu mets ces différents codes-là et il t'indique non seulement où se trouve ton envoi, mais également à combien de jours est estimé son arrivée. Donc ça te permet en fait dans une seule interface d'avoir les informations pour tous tes envois, pour peu que tu commandes beaucoup de choses via internet, ça peut être très pratique. Hein pour toi tu peux également paramétrer des notifications euh, pour qu'ils te disent euh, bah tiens ça arrive aujourd'hui euh, réjouis-toi euh, ton t-shirt euh, ton t-shirt Shovel Knight euh, est, est à portée de main etc euh, <laughs> c'est vraiment chouette euh, d'avoir euh, si on fait beaucoup de commandes d'avoir une application comme celle-là pour pouvoir tout résumer de ces commandes on termine l'épisode sur la mise à jour c'est-à-dire le suivi et les corrections euh, par rapport aux pré précédents épisodes suivi tout d'abord euh, de l'épisode précédent dans lequel on parlait du vote de la FC Ici, euh, aux États-Unis, donc, la, 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 la fédération euh, donc, qui, qui surveille les télécommunications aux États-Unis, l'entité euh, fédérale, euh, ouais. qui a donc accepté à trois voix contre deux euh, un texte qui euh, revient en arrière sur la législation datant de l'époque Obama sur la neutralité du net. Euh, il est ils notamment même euh, oui avant l'époque Obama, c'est ça le truc, ce qui reviennent sur des textes qui remontent encore plus avant. Oui et non, en fait. C'est-à-dire que la classification d'Internet et des FI vis-à-vis du Title 2... Et donc, euh, du fait que les, 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 comment dire, les FAI n'ont pas le droit de faire n'importe quoi, ça, c'est clairement quelque chose qui a été décidé pendant euh, la présidence Obama et pendant que la majorité démocrate était euh, représentée à la FCC, pour le coup. Euh, mais en, en termes d'état de fait, Effectivement, à part quelques euh, petites arnaques, notamment de la part de Comcast, qui a tenté un peu de tout et n'importe quoi euh, avant, Comcast, euh, avant cela, euh, l'état de fait était plutôt sur une neutralité du net relativement respectée, avec des entorses ici et là. Ce qui a d'ailleurs justement mené euh, à, à, à une neutralité du net plus stricte et plus, plus, plus légalement inscrite. À partir, euh, à partir de. C'était il y a quelques années, c'était 2010-2011, il me semble, un truc mmh, comme ça. C'est ça. Euh, et ça a donc été euh, abrogé là euh, par la FCC. C'est pas encore complètement euh, effectif. La bataille va continuer par d'autres voies, le Congrès américain, d'éventuelles attaques en justice pour. Euh, la Cour suprême. La Cour suprême, etc. Même si là, pour le coup, encore une fois, la Cour suprême, elle est plutôt favorable aux républicains, c'est-à-dire plutôt favorable à un parti qui a poussé euh, cette, euh, cette dérégulation. Donc, euh, pourquoi est-ce que c'est important vous en a parlé lors du précédent épisode. Je ne pense pas qu'on ait besoin de revenir là-dessus aujourd'hui, euh, mais globalement, voilà, le, le, le cas, euh, le cas grave qu'on imaginait arriver, malheureusement, est arrivé. Meilleure nouvelle, euh, par contre, ça concerne les messages à caractère informatif auquel on a fait de lourdes références lors du précédent épisode. Ils sont de retour sur Canal Plus. Je n'avais pas vu passer le truc avant, euh, dans l'émission Canal bis euh, qui euh, n'est pas euh, au demeurant excellente, mais qui, grâce au messages à caractère informatif, gagne en qualité. Et également sur Canal Décalé, dans l'émission Crac Crac de Monsieur Poulpe, euh, qui a commencé la semaine dernière. Euh, toutes les archives euh, des messages à caractère informatif sont disponibles, ainsi que les nouveaux épisodes en HD sur la chaîne YouTube Messages à caractère Informatif, donc vous n'avez pas à passer par le player de MyCanal, ce qui est une très bonne nouvelle pour pouvoir <laughs> euh, en profiter. Il y a des playlists avec les 75 anciens euh, épisodes du message à caractère informatif, c'est un délice. Les Nouveaux épisodes qui apparaissent chaque semaine, c'est un délice. Donc allez-y, profitez-en euh, véritablement. C'est une excellente nouvelle de les avoir véritablement euh, dans, dans, dans la meilleure qualité imaginable euh, aujourd'hui. Merci Bertier, merci Bertie, merci ranu merci la Cogip. Euh, enfin, un suivi par rapport à notre épisode consacré aux séries, c'est un mail de Yodewawe C'est ça, c'était très difficile. <laughs> qui disait non, c'était pas un, un mail, je crois que c'était un, un commentaire. C'est un mail, c'est qui m'a fait, qui m'a ah, envoyé euh, un long mail en fait où on a détaillé de, plein de sujets et j'ai gardé juste cette partie de, de mail qu'il m'a envoyé pour ce que le reste a été traité entre nous. Uh -huh. Euh, donc je vais le lire si tu veux bien. Et dire, euh, je voulais vous faire part d'un petit ajout pour l'épisode des séries et films. Euh, J'utilise depuis plusieurs années maintenant une appli qui se nomme TV Time, anciennement TV Show Time, euh, qui existe sur navigateur, iOS, Android, et aussi une appli faite par des fans sur le Windows Store, moins complète et en anglais, mais qui garde l'essentiel. Mmh. Cette appli dispose d'un agenda des séries que tu rajoutes à ta bibliothèque avec rappel lors des diffusions aux US ou en France selon ton choix. Ouais. Ce qui fait que tu peux savoir à tout moment où tu en es sur telle série. Et la feature inutile mais totalement indispensable, le compteur sur ton profil, tu peux savoir combien de temps tu as passé à regarder des films, <laughs> des séries, des animés. Et là il nous dit j'en suis à 5 mois, 11 jours et 10 heures. Ah. Oh, 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 oh. <laughs> voilà. Ça... Et ça c'est pratique dans ce s'appelle... TV Time, mm. autrement, autrefois c'était TV Show Time, euh, et donc c'est disponible à peu près partout, hein, puisque navigateur iOS, Android et même une appli fan Windows Store, euh, mm. vous le trouvez partout. Je, je fais une petite parenthèse pour en dire que c'est vraiment, euh, tout comme Beta Series en fait, ce, ce genre de, de service-là, euh, plus lycée là, c'est une catégorie de choses que je n'utilise pas, que tu n'utilises pas non plus il me semble euh, Franck euh, Beta-Series, alors je, je, je dois avouer que je, je l'ai pris, Je j'utilise maintenant Beta-Series. Après mettre euh, Dino, mais j'en ai pas besoin et tout, et être arrivé à avoir beaucoup de séries Marvel uh -huh. euh, en même temps, et des trucs à rattraper, et beaucoup de séries en retard, notamment des séries Netflix. Mm. Euh, je ne savais plus à quel épisode j'en étais, sur quelle série, quel machin, donc là actuellement j'utilise Beta-Series. C'est quand tu dois mélanger Runaways, Punisher, Stranger Things. Euh, et, et tout un tas de tes séries Star Trek et tout le reste tu te mmh. dis bon j'ai cette série j'ai regardé quoi cette semaine il ouais, euh, y a quel épisode qui est sorti, je sais plus. L'interface de Netflix te laisse penser qu'elle va être pratique, mais en fait, pas du tout avec son, euh, son système euh, qui propose de, de, On de, déjà dit, de traquer. C'est pourri, malheureusement, parce qu'il n'est pas possible de dire Ah non, mais ça, je veux pas le regarder, ou ça, je l'ai regardé, mais j'ai juste quitté l'épisode pendant les crédits à 30 secondes de la fin du fichier. Mais il considère quand même que tu n'as pas fini l'épisode. Enfin, c'est consternant. Alors, la quand façon, tu euh... n'aimes pas, tu ne peux pas retirer un épisode de ta liste, donc j'ai toujours un épisode de, de, de série euh, tout pourri. Euh... Tu peux, en fait. Ben peux... j'arrive pas à le virer alors astu... hashtag astuce du coup euh, et, 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 et suivi en direct euh, ce que tu fais, c'est que tu vas dans les paramètres de Netflix, tu as euh, quelque part dans les paramètres de Netflix une fonctionnalité d'historique, et là-dedans, oui. tu cherches l'épisode ou la série dont tu veux te débarrasser. As des ah non, 3, mais oui, oui. Tu as et tu vas le virer de l'historique, oui, mais il faut le virer de l'historique. Oui. Mais je, je, je m'en fous d'aller dans l'historique. Je veux, puisqu'on a un truc qu'on peut mettre en favori, euh, en défave, et dans la liste de lecture, je veux juste dire, non, non, mais vu que j'ai donné ce truc-là, je veux plus le voir, je vais pas aller jusqu'à la fin, il y aurait pas juste un bouton hmm. euh, supprimer de la Liste de lecture, mmh. je veux plus l'avoir dans ma liste de lecture, je ne le finirai pas. Ouais. Ça me saoule. C est, c est, Sinon, je suis obligé d'aller jusqu'à euh, deux minutes de la fin, regarder les deux dernières minutes avec une partie des crédits. Et à ce moment-là, il me demande mmh. euh, si vous voulez je veux voir les crédits ou pas. Je dis uh -huh. non, et puis là, il s'arrête. C'est fatigant. C'est une grosse bataille pour, pour n'importe qui. n'importe hein, l'ergonomie. Service de. Il y, y a des solutions simples à ça. C'est d'ajouter plus de boutons, mais à partir de quel moment ajouter plus de boutons, ça fait trop de boutons sur l'interface C'est toute la bataille, en fait, qui existe par rapport à ce genre de problème. Et c'est pas nous qui allons le régler en fin de podcast. Merci à toi, euh, Franck, d'avoir co-animé cet épisode avec moi, cet épisode de TP. Merci, merci, Yann, de m'avoir supporté avec ma voix tout éraillée. Mais voyons, tout va bien. On te suit sur Twitter, at FoxMonsieur. On me suis sur Twitter, at vous pouvez nous écrire sur Twitter et à et par mail à radiokawa.com euh, Vous avez 3 euh, semaines pour nous envoyer des choses, donc ne vous inquiétez pas, il y a du temps. Cet épisode a été enregistré le samedi 23 décembre. Merci à Julien Bro pour le logo, à Benji Pesque pour l'habillage. Merci à vous les auditeurs euh, pour nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci de nous faire vos retours. Merci pour tous les retours que vous avez fait et pour tous les retours euh, positifs hein, qu'on a reçus jusque-là. L'émission, elle s'est très très bien lancée. C'est grâce à vous. Merci. Beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette nouvelle aventure qui continue à partir euh, de début 2018. On prend trois semaines de pause et on vous reviendra donc début euh, janvier, début ou mi-janvier pour un prochain épisode de Tech2. A très vite, ciao ciao! Passez bah, de bonnes fêtes. 哈就教我。<music>